Donc, bonjour à tous. Au nom de la Ville en transition, je vous souhaite la bienvenue à cette activité qui s'intéresse aux aménagements urbains socio-écologiques proposés dans le cadre des faits de transition. Je me présente, Christina Seydan. Je suis citoyenne lavalloise de Chemézy et je serai votre hôte pour cette activité. Avec moi, Marianne Perrault m'assistera pour tout le volet questions citoyennes durant cette activité. Avant de passer à l'activité elle-même et de vous présenter nos invités, un petit mot sur la Ville en transition. Donc, la Ville en transition est un mouvement citoyen qui est né d'une volonté commune d'unir nos forces pour diminuer notre empreinte écologique, transformer positivement notre communauté et lutter activement pour renverser la crise climatique. Les valeurs qui guident nos actions citoyennes de la Ville en transition sont la participation, le plaisir, la démocratie, la communauté, le respect mutuel, l'imagination et l'audace. Inspirée par ces valeurs, la Ville en transition désire rendre hommage au peuple autochtone qui, bien avant l'établissement des colons européens, étaient présents sur les terres où nous sommes rassemblés. Nous désirons souligner que ces terres font partie du territoire traditionnel non cédé des Ganyi-Gahauga, un peuple Mohawk, et qu'elles ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. J'en profite pour vous remercier de prendre part à cet événement qu'est Effet Transition. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez à cœur d'entreprendre ou de pousser plus loin vos actions pour la lutte au changement climatique et pour la transition sociale et écologique. Que ce soit par de simples gestes que nous pouvons faire individuellement ou par des actions conjointes que nous pouvons faire ensemble, collectivement. Maintenant, un mot sur nos partenaires. Effet Transition compte de nombreux partenaires. Je tiens à les remercier pour leur participation. Merci à nos partenaires leaders de la transition, soit la Ville de Laval et la Desjardins Caisse d'économie solidaire. Merci à nos partenaires de la web diffusion Cinéquinox qui propulse la plateforme regardezmoi.ca. Finalement, Effet Transition est possible grâce au soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci également à tous les bénévoles qui ont donné leur temps et leur jus de cerveau pour rendre cet événement possible. Aussi, un merci spécial aux élus et amis des citoyens qui ont contribué et aidé à la mise en place d'Effet Transition. C'est un événement par et pour les citoyens. Une liste exhaustive de tous les partenaires et amis est disponible sur le site effettransition.ca pour étancher votre curiosité. Maintenant, on arrive au déroulement d'activité. Naturellement, pour s'assurer du bon déroulement de cette activité virtuelle, voici quelques informations importantes. Cette activité est enregistrée. Elle sera accessible sur la page regardezmoi.ca des archives d'Effet Transition. Cet accès est réservé aux détenteurs de passeports d'Effet Transition jusqu'au 12 juin 2021. À tout moment durant l'activité, vous êtes invité à inscrire vos questions et commentaires dans la zone de discussion disponible sur la plateforme regardezmoi.ca. Vous pourrez également y contacter Marianne pour tout pépin technique. Excusez-moi, pour tout pépin technique ou problème. Nous répondrons en rafale aux questions à la fin de l'activité. Sachez cependant que les questions posées ne le seront pas sur une base de premier arrivé, premier servi. Nous tenterons de poser les questions qui n'auront pas trouvé de réponse dans le cadre de la discussion ou qui seront les plus populaires dans le chat. Marianne sera donc votre voix. C'est le moyen que nous avons trouvé pour vous offrir une activité virtuelle qui soit la plus éco-responsable possible. Finalement, sachez qu'une vaste majorité des invités et conférenciers et que tous les animateurs participant à Effet Transition le font à titre bénévole. C'est notre première édition. On ne sera peut-être pas parfait ce soir ou lors des prochaines activités, mais on essaie, on apprend et on garde le sourire. Nous vous demanderons donc d'agir dans le respect et la bienveillance à toutes vos interventions aujourd'hui. Amusons-nous pour la prochaine heure et demie, qui débutera avec une brève présentation de nos invités. S'enchaînera avec quelques questions préparées par mes collègues citoyens bénévoles à l'animation et pour terminer avec les questions des participants qui nous écoutent. Donc, commençons. On va donc commencer avec un petit tour de table pour présenter nos chers panélistes. J'inviterai donc Mariam Goulet-Ducreux à se présenter. Merci Christina et bonjour des droits jour des droits de la femme aujourd'hui. Myriam Goulet, je suis agente en environnement et mobilité durable pour le CREU de Laval. Le CREU, c'est un organisme environnemental qui touche à plusieurs sphères d'environnement. Notamment, on a fait des inventaires de milieux humides. On est maître d'œuvre du projet Biotope urbain sur les îlots de chaleur de la CMM. Je travaille sur un projet de thermographie aérienne aussi. Au niveau de l'efficacité énergétique des bâtiments et je suis agente pour le projet de carbone scolaire qui agit pour les enfants en éducation relative à l'environnement. Donc, merci beaucoup pour ta présence ce soir. Maintenant, j'aimerais accueillir notre deuxième invité, Thomas Girardin, urbaniste pour la Ville de Laval.
Bonsoir, merci d'être là. Donc oui, urbaniste à la ville de Laval depuis maintenant 7 ans, je pense. J'ai travaillé sur un certain nombre de mandats à la ville assez diversifiés, de l'habitation, logement social, le schéma d'aménagement qui a été finalement adopté en 2017. Puis je travaille actuellement à l'élaboration du programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Laval. Merci beaucoup pour ta présence. Maintenant, j'invite notre troisième invité, Philippe Asselin, membre de Nouveaux Voisins. Bonjour, merci tout le monde d'être ici. Donc, mon nom est Philippe Asselin, je suis un jardinier généraliste, donc j'ai plusieurs chapeaux dans la vie. Je suis architecte paysagiste, horticulteur, je suis une compagnie vivante qui fait du design, qui conçoit, qui plante des cours résidentiels pour favoriser la biodiversité. Mais ce soir, je suis mon chapeau de Nouveaux Voisins, donc, qui est un organisme à but non lucratif qui vise à appuyer les communautés locales dans l'appropriation d'outils afin qu'ils développent une culture de la biodiversité dans leur milieu de vie. Donc, tant au sens horticultural, comment aménager chez soi pour accueillir la biodiversité, mais aussi au sens propre, dans le sens où qu'est-ce que ça veut dire vivre avec la biodiversité chez soi, ça ressemble à quoi l'esthétique de la biodiversité, etc. Puis un de nos gros chevals de bataille, c'est la relation qu'on a avec le fameux gazon dans nos milieux de vie, qu'on souhaite voir se transformer pour qu'il y ait plus de place à la biodiversité. Merci beaucoup. Et finalement, notre quatrième panéliste, Louise Audet, présidente de Vivacité. Bonjour tout le monde, bonsoir en fait. Merci Christina. Mon nom c'est Louise Audet, donc je suis, en fait j'ai 3 chapeaux dont je suis très fière, alors je vais vous en parler un peu. Je suis directrice générale du pôle régional d'économie sociale de Laval qui pilote le laboratoire d'innovation sociale depuis 4, maintenant bientôt 5 ans. Mais j'ai aussi un chapeau du cinéma Beaubien, donc je suis membre du conseil d'administration du cinéma Beaubien, un cinéma de quartier à Montréal, qui est aussi Cinéma du Parc et qui a un partenaire avec le Cinéma du Musée. Et Vivacité, qui est la société immobilière solidaire, pour laquelle je suis ici ce soir, puis je serais fière. Ça fait comme j'ai cofondé cette organisation il y a maintenant 8 ans pour vraiment faire une différence sur comment on voit nos quartiers, nos milieux de vie et la propriété et comment on crée de l'abordabilité perpétuelle. Alors, voilà mes 3 petits chapeaux. Merci. Merci beaucoup. Puis encore une fois, je vous remercie à tous de venir participer ce soir. Donc, immédiatement, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer ce panel, cette discussion, avec une question que je vous adresse à tous. Et en fait, j'aimerais savoir, à votre avis, c'est quoi les grands enjeux de l'aménagement du territoire à Laval? Et peut-être pour lancer le bal, je vais inviter peut-être Philippe à commencer. Bien, parfait. Bien, juste spécifier que je n'habite pas à Laval, donc je ne suis pas au courant des dossiers chauds là, du moment à moment, mais je pense que Laval, de manière générale, les enjeux de ville, dans le fond, les enjeux qui s'adressent à toutes les villes dans le monde sont les mêmes, là, en mesure où des enjeux de développement qui sont intrinsèquement liés aussi à des enjeux de conservation. Je disais tantôt le plan La Trame Bleue, puis qui disait que, il y avait. Laval estime qu'il va y avoir une augmentation de peut-être 15 % de la population. Non, c'est pas vrai. Je me fourre dans mes chiffres, mais. Oui, augmentation de 15 % de la population d'ici 2035. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir à habiter à quelque part. Fait que souvent, l'aménagement se fait au détriment de milieux naturels parce que c'est facile à faire. Donc, voilà comment qu'on fait pour développer les villes tout en piétinant pas les efforts de conservation. Comment qu'on fait aussi pour, au final, aussi aménager nos milieux de vie urbains parce qu'on se rend compte que ces milieux naturels-là conservés sur le territoire, ils sont morcelés. Comment qu'on fait pour les relier ensemble? Ça amène à la question comment qu'on aménage nos milieux habités pour structurer des corridors verts, etc. Comment qu'on fait pour cohabiter avec cette biodiversité-là? C'est comme des grands enjeux qui, je pense, touchent Laval. Ce serait ça pour l'instant, oui.
Je peux faire du pouce avec Philippe pour préciser un petit peu plus Laval en particulier. Laval a beaucoup de possibilités au niveau de la conservation des milieux naturels aussi. On est une des villes qui a encore beaucoup de possibilités. Contrairement aux 17 % suggérés de conservation, on peut se rendre en haut de 20. Donc, c'est aussi un enjeu à Laval qu'il faut considérer, surtout que c'est une ville qui a été faite de base sur un design pour les voitures. Donc, ça a été conçu pour les voitures. La voiture est roi à Laval, et reine, en fait. Et donc, ça aussi, c'est une espèce de dualité qu'on a sur l'île qui est à prendre en considération au niveau de la configuration des quartiers où avant, on les ségréguait, là, quartier aménagement, des maisons, de l'autre côté on a le quartier industriel, de l'autre côté on a les commerces. Donc, je pense que c'est aussi de reconfigurer plus intelligemment en fait ces différents quartiers-là, pas nécessairement sur du plat, mais aussi en hauteur. Donc, il y a plus de place en fait au multi-usage et ouais, de penser à demain et non pas plus à juste dans 5 minutes. Ben, je peux peut-être continuer là-dessus. Effectivement, c'est à mon sens, Laval n'est pas différente, pire ou mieux que bien d'autres villes, surtout le continent en fait, ou même ailleurs. On est tous un peu poussés par les mêmes enjeux, hein, ce qui a trait au sujet qui est celui de ce panel-là. Mais disons qu'à Laval en particulier, effectivement, c'est une ville qui est essentiellement, à part son passé, disons, d'agricole, puis ensuite de villégiature pour les Montréalais, est rapidement devenue, en fait, développée essentiellement autour de l'automobile, ce qui fait en sorte que toute la structure, l'ossature de la ville, en fait, elle est basée sur ce, exactement ce que Myriam vient de dire, c'est-à-dire la séparation des usages, une vision très fonctionnaliste, là, qui avait cours, esprit un peu de la modernité, les années 60-70, et l'accès, le tout à l'automobile. L'automobile ne va pas disparaître à Laval, là, c'est pas ça qu'il faut voir, mais il faut commencer à imaginer essentiellement arrimer le développement au transport en commun, le transport actif, densifier, mais d'une manière intelligente, mais surtout diversifier les milieux de vie. Ça, c'est un gros enjeu d'aménagement, à mon avis. On est passé, disons, à Laval dans les à peu près 15 dernières années d'une très grande dominance de la maison unifamiliale isolée essentiellement, ou même, en fait, disons, de la maison unifamiliale de façon plus générale. En termes de mise en chantier, de construction, et on est à peu près de 20 % là, c'était 20 % de condos, 80 % de maisons unifamiliales. On est passé presque à l'inverse en dedans d'une quinzaine d'années. Mais ça fait en sorte que, là, en fait, il y a deux seuls produits qui sont très, très dominants, si on veut, à Laval. Et ça, ça a des impacts sur l'abordabilité, sur la qualité des milieux de vie, sur la diversité des services et des commerces, etc., etc. Peut-être, je peux renchérir, mais d'un angle complètement différent, je dirais. Puis, en fait, je ne sais pas combien on est aujourd'hui, ce soir, dans cette discussion sur l'aménagement, mais je vous dirais que pour moi, un des grands enjeux d'aménagement, c'est le mouvement citoyen que vous partez d'ailleurs avec Laval en transition. Effet transition est vraiment important dans la mesure où, puis je ne dis pas ça parce que je ne fais pas partie de l'organisation d'effet transition, là, mais je dis ça parce que il faut créer de la pression, aider les élus à contrer la pression des entrepreneurs immobiliers traditionnels, à but lucratif ou autres, ou d'autres types de développement. Puis pour ça, il faut qu'il y ait un mouvement citoyen très fort qui réagit, qui propose des choses. Ce que vous faites actuellement avec Laval en transition, puis que je trouve extraordinaire à Laval, puis c'est, je pense, et je sais qu'il y a eu d'autres mouvements citoyens, j'imagine, dans le passé, mais celui-ci sur la transition écologique me semble vraiment important pour toute la question de l'aménagement urbain, c'est-à-dire comment les élus ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas de pression citoyenne. En fait, ce n'est pas méchant, là, mais je pense que quand on parle à des personnes comme Thomas, je suis certaine que dans les plans d'aménagement, ils ont plein de souhaits et ils ont plein d'idées innovantes à mettre en place à Laval pour que ça s'inscrive plus dans la transition, mais il faut qu'il y ait une demande pour ça. Puis moi, je dis que c'est peut-être là le plus gros enjeu de Laval et moins sur les idées, aménagement et tout, mais vraiment plus sur le mouvement citoyen. Alors, voilà. Bien, merci pour vos réponses. Je pense que, comme on peut tous voir, il y a énormément de choses à dire sur l'aménagement à Laval. Puis je pense que ce soir, on ne va pas manquer de sujet de discussion. Donc, peut-être pour entrer plus en profondeur, je pense qu'on va commencer par parler de l'aspect socio-économique.
Parce que souvent, quand on discute de territoire ou d'aspects plus écologiques, on oublie souvent cette question-là. Donc, immédiatement, j'ai commencé avec une question sur l'impact de la surenchère et de la spéculation immobilière et sur si c'est un accès à. C'est un impact sur l'accès au logement à Laval. Donc, peut-être, Louise, je t'inviterai à commencer à en parler puis nous parler aussi un peu de vivacité. Merci, Christina. Bien, en fait, oui. Puis, je fais juste un petit pas en arrière pour tout le monde. Je vous invite à réfléchir. Moi, j'ai été en développement économique presque toute ma carrière. En tout cas une grande partie de ma carrière, puis je me suis aperçue que ce qui crée de la valeur économique, en fait, là, c'est posez-vous la question, qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre quartier ou dans un village ou dans une ville dans laquelle vous visitez? Qu'est-ce que vous trouvez qui a de la valeur? Quel genre de choses qui vous animent, que vous trouvez qui est extraordinaire? Wow, il y a des familles ici, il y a des artistes, il y a des petits cafés... De propriétaires opérants. Qu'est-ce que vous aimez puis qui a de la valeur pour vous? Bien, dites-vous, puis c'est ça qui est étrange, dites-vous que ça a une valeur économique énorme. C'est-à-dire que quand on parle du socio-économique, ça a une énorme valeur économique. Quand on crée ce qui a une valeur pour vous, bien, en fait, ça fait en sorte que les prix montent. Alors, si on n'a pas de stratégie, puis ayant travaillé, j'ai fondé une organisation qui s'appelle Atelier Créatif il y a plusieurs années, qui visait à garder des artistes dans les quartiers centraux de Montréal, même si les loyers augmentaient, comment on faisait pour qu'eux puissent avoir accès à des loyers d'ateliers d'artistes à prix abordable pour eux dans le contexte de la fonction qu'ils faisaient. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est de dire, OK, j'ai compris qu'est-ce qui crée de la valeur, avoir des familles, de la mixité de fonctions, des commerces de proximité, des petits cinémas de quartier, des choses qui font que je peux faire à pied, même une vie de voisinage crée de la valeur. Fait que les quartiers qui ont ça sont attirants. Mais si on n'a pas travaillé sur comment on maintient l'abordabilité de ce qu'on a créé, bien éventuellement, c'est plus abordable, c'est plus achetable, plateau Mont-Royal, plus personne ne peut vivre là. Puis tranquillement, ça s'effrite. Ce qui était cool avant, qui était intéressant, n'est plus là. Ou en tout cas, je ne veux pas les insulter. Mais ce que je dis, c'est que c'est là la réflexion. Puis ça m'a amené, parce que je travaillais dans le plateau Mont-Royal, dans le centre-sud, ça m'a amené à réfléchir, OK, mais comment on peut travailler un modèle qui fait en sorte qu'on maintient l'abordabilité pour les choses qui ont une valeur pour nous? Je dis toujours, si on fait un parc dans un quartier, on crée un parc, bien là, ça a de la valeur, ça augmente la valeur des propriétés autour du parc. Alors, ces valeurs-là sont plus élevées, les revenus fonciers pour la municipalité plus grands. Mais si on empiétait sur le parc à mesure que les jours avancent, bien, on perdrait éventuellement la valeur. Mais c'est la même chose pour quand on crée des choses intéressantes pour nos quartiers. Alors, le modèle de vivacité, il est emprunté de... En fait, d'une logique qui vient de Bernie Sanders il y a 35 ans. En fait, c'était pas juste lui, mais il a été comme un peu le porteur de ce message-là aux États-Unis. Ça s'appelle des propriétés à capital partagé, ou en tout cas des fiducies foncières communautaires. Ce que c'est de dire on va faire en sorte qu'on va maintenir une abordabilité, on va créer de l'abordabilité pour une famille ou une personne qui veut acheter une propriété. Mais on va s'assurer que l'abordabilité qu'on a créée se reproduit d'acheteur en acheteur. Puis que la personne à qui on a créé de l'abordabilité ne part pas avec le magot, puis après ça, la propriété est plus abordable. Fait que, si vous me permettez, pourquoi je vous le présente? Je sais qu'on ne parle pas juste d'immobilier résidentiel dans cette rencontre de ce soir, mais je veux juste vous le présenter parce que c'est une logique que je pense qu'on peut développer. Puis je vous le dis, ça fait 8 ans qu'on travaille là-dessus, puis c'est pas simple à changer les mœurs et les façons de faire au Québec par rapport à ça. Mais je le partage avec vous pour votre réflexion. Alors, c'est un petit peu technique ici, ce que je vous présente, mais c'est un peu le modèle. C'est-à-dire, on va prendre une propriété résidentielle, une maison unifamiliale ou un condo ou quoi que ce soit, puis on va dire à la personne qui va l'acheter, on va
mettre 20 % de la valeur de votre propriété pour votre mise de fonds. Donc, nous, Vivacité ou un organisme, va investir 20 % dans la mise de fonds. Vous allez aller chercher une hypothèque pour le 80 % restant. Et donc, vous allez être propriétaire, vous allez payer votre hypothèque, mais vous n'aurez pas eu besoin d'avoir la mise de fonds, puis vous allez avoir une hypothèque de 20 % moins élevée, ou en tout cas presque, que si vous l'aviez achetée toute seule. Le deal, c'est que vous pouvez rester là le temps que vous voulez, mais quand vous allez repartir de cette propriété-là, vous allez nous appeler, puis vous allez nous donner le premier droit de refus, c'est-à-dire que nous, on va trouver un autre acheteur pour votre propriété. On va vous donner ce que vous aviez payé au départ, votre 80 % que vous aviez payé, puis on va vous donner un pourcentage de la plus-value. Fait que si la propriété a pris de la valeur, si elle valait 100 000, puis maintenant elle vaut 120, bien dans le fond, on va vous donner 25 % du 20 000 additionnel. Fait que vous allez faire un peu de sous, vous allez avoir eu une propriété à vous pendant ce temps-là, mais cette propriété-là, on peut la passer au suivant. On peut faire en sorte que le prochain acheteur qui va l'acheter va aussi bénéficier de l'avantage de la mise de fonds. Puis la mise de fonds va être un peu plus grande que la première fois parce que la propriété vaut un peu plus cher. Mais c'est la même logique. Donc, c'est perpétuellement abordable. Ça fait que la propriété sur la rue X, qui était abordable pour une famille qui n'avait pas de mise de fonds, va être encore abordable dans 10-15 ans sans qu'on y remette d'autres argent pour la même famille. Fait que c'est un peu le modèle d'abordabilité perpétuelle. C'est expliqué peut-être rapidement, mais le principe, c'est de dire qu'il y a des modèles qui peuvent exister, qui nous permettent de faire en sorte, puis c'est à ça qu'il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il y aura toujours des familles dans le centre-ville de Laval? Il n'y en aura pas pour l'instant des familles dans le centre-ville de Laval dans X temps parce qu'ils n'auront pas les moyens d'acheter, parce que pour toutes sortes de raisons. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il y aura toujours des familles, qu'il y aura toujours des gens de la classe moyenne, basse moyenne et du logement social dans le quartier? Fait que c'est ce genre de questions-là. Et comment on peut faire pour qu'il y ait toujours des petits commerçants? Fait que c'est une longue réponse à la question, mais pour moi, c'est la surenchère détruit la valeur qu'on a créée. T'sais. C'est comme souvent, c'est ce que ça fait. C'est que tout ce qu'on a voulu faire, c'est créer un petit quartier chouette et sympathique, mais les prix montent tellement qu'on le détruit, puis c'est plus ça. Puis après ça, c'est des Harveys, puis des affaires qui peuvent se payer des gros loyers. Voilà. Mon petit... À toi, Christina. Bien, merci. Très intéressant. Je pense que peut-être Thomas, tu avais également quelque chose à dire sur cet enjeu-là. Oui, c'est effectivement un modèle, juste pour rebondir là-dessus, là, qui est extrêmement pertinent là, de nos jours, je pense. C'est ce que les Américains appellent le community land trust, là, si je ne me trompe pas. Et ça fait ses preuves très clairement dans plusieurs cas aux États-Unis, où ça a été pérenne pendant plusieurs décennies dans certains cas. Là. Ça fonctionne très, très bien. Effectivement, ben, là, moi, je suis la ville de Laval, là, faire de publicité ou promouvoir l'organisme ou l'entreprise, mais le modèle est effectivement très intéressant et devrait être regardé davantage. Et il peine effectivement peut-être à sortir au Québec. Il y a deux aspects dans cette question-là aussi. Il y a la question de la surenchère, ça s'en est une, puis je n'ai rien à rajouter sur tout ce qui a été dit. C'est tout à fait vrai, incluant pour le centre-ville, par exemple. Mais l'autre élément, c'est la spéculation aussi, là, qui est un peu inhérente à ça. Laval est très, très attirant. C'est une des régions, voire la région, là, ça dépend comment on fait les calculs ou les prévisions, là, mais qui a systématiquement les croissances les plus élevées là, depuis un certain temps, puis que dans les prévisions de l'Institut de la statistique du Québec, ce sera la région avec la plus grande croissance là, démographique, sauf qu'une autre exception, je pense. Donc, c'est une ville, une MRC, c'est tout en même temps, là, mais c'est qui est très, très attirante. Et ça entraîne un élément qu'on voit pas seulement à Montréal que la spéculation. Et parfois, autant la surenchère va faire en sorte qu'effectivement, des quartiers deviennent
deviennent de plus en plus intéressants, mais au fur et à mesure deviennent inabordables, comme Louise l'a mentionné. Mais il y a aussi, des fois, la spéculation peut constituer un frein au redéveloppement particulièrement de secteurs, moins au développement de terrains vacants, mais au redéveloppement de secteurs, parce que les propriétaires, finalement, attendent, savent très bien qu'ils sont assis sur une mine d'or, entendent parler de tous les investissements. Et c'est là le jeu très, très difficile pour une ville ou pour les paliers gouvernementaux de façon générale, de trouver le juste milieu entre les investissements publics qui sont nécessaires et qui vont faire en sorte qu'on va générer un changement ou un redéveloppement de secteurs déjà construits qui seraient améliorés, par exemple. Mais en même temps, de ne pas non plus jouer le jeu complètement de simplement donner de l'argent au privé qui va ramasser toutes les retombées. C'est pour ça l'idée, il y a des concepts quand même qui commencent à naître. Bon, la capture de la valeur là, avec le réseau électrique métropolitain, c'est ce genre de choses-là, de questions. Puis c'est pas pour dire oui ou non, est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée, mais disons que ce principe-là doit être commencé à réfléchir. Et on a un bel exemple, par exemple, autour de la station métro-quartier à Laval où… en fait, les trois stations de métro peuvent être entrées un peu là-dedans, mais le métro est arrivé en 2007-2008, si je ne me trompe pas, il me semble. Et puis le développement n'a pas particulièrement suivi. Il y avait des terrains vacants à côté du terminus Montmorency jusqu'à il n'y a pas longtemps. Enfin, il y en a encore, hein, puis ils sont en même temps, il y a des gros projets, mais ça a pris énormément de temps. Et la raison, c'est qu'il y a… il y a cette spéculation qui est là, et puis il y a aussi le rôle de la ville qui doit donc jouer et venir avoir, la ville ou les autres paliers, avoir des investissements qui vont inciter le redéveloppement à aller dans le sens qu'on souhaite qu'il aille. Évidemment, si on prend l'exemple du quartier des spectacles à Montréal, on voit très bien la valeur qu'il y a des points positifs, des points négatifs, mais on voit très bien qu'il y a une valeur là, qui est générée par les investissements publics. Donc, quand Louise dit, par exemple, on investit pour un parc, c'est vrai que c'est des retombées. C'est juste qu'il y a certaines retombées qui ne sont pas directement monnayables ou pas dans un échéancier qui est compatible, disons, avec d'autres impératifs là, politiques, par exemple. Bien, je voudrais argumenter avec toi, puis après ça, je voudrais relancer Myriam, mais en fait, j'argumente avec toi, Thomas, sur la question de monnayable, c'est-à-dire que là, je parle de comment on peut parler de captation de valeur. Tu sais, supposons que vous investissez des millions dans le centre-ville, ça va créer de la valeur des propriétés qui sont là. Comment est-ce qu'on peut penser que la valeur créée, c'est la progression de la valeur, pourrait être réinvestie dans l'abordabilité au lieu de juste aller aux taxes qui vont de façon générale à l'ensemble de Laval? Je ne sais pas comment, là. Je dis juste que, dans le fond, une des choses qu'on regarde, c'est cette notion de capacité. Ils le font pour le REM. Le REM, actuellement, il y a des argents de création de valeur qui sont réinvestis dans le REM. Alors, pourquoi on ne peut pas le faire, mais pour des choses qui ont une valeur, comment dire, sociale ou en tout cas de qualité de vie, de dire, bien, on va réinvestir une portion de la captation de valeur par l'investissement de la ville dans l'abordabilité puis la création d'une valeur perpétuelle dans le quartier du centre-ville. Pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. En fait, je ne sais pas comment exactement on peut le travailler, mais je trouve que c'est quelque chose qui peut être fait. Ça a été fait dans, je pense, quartier international, mais pour d'autres raisons aussi. Alors, l'idée, c'est que des outils de captation de valeur ou cette réflexion-là, c'est quelque chose qu'on peut aborder. La question que j'avais pour Myriam, c'était de dire que les fiducies foncières, quand on parle du concept des Community Land Trust, on pourrait aussi l'utiliser pour des terres. En fait, c'est déjà utilisé pour la préservation de milieux naturels, c'est-à-dire que tu peux rien faire après avec ces propriétés-là. Ils deviennent des communs qui sont à la propriété de tous. Mais peut-être qu'on pourrait aussi le faire dans des modèles, je dirais, d'économie sociale pour les terres agricoles, pour faire en sorte que les terres soient utilisées, mais avec des gens qui sont issus de l'économie sociale, qui vont partager, peut-être qu'ils sont des moins gros producteurs, mais plus petits. Mais je pose la question, j'imagine que vous avez déjà des alignements par rapport aux fiducies foncières ou en tout cas dans le cadre du milieu naturel. Oui, bien c'est sûr que oui, le CRE travaille en agriculture aussi. Je ne vais pas m'avancer parce que c'est vraiment pas mon domaine, c'est le domaine de ma collègue. Mais c'est certain que c'est super important. Laval est une des places, en fait, de la CMM où c'est super important d'avoir les terres agricoles, de les garder, d'assurer la relève. Bref, il y a plein d'enjeux au niveau des terres agricoles et
Oui, effectivement, c'est une super grosse valeur. Je suis sûre que ma collègue pourrait vous en parler, mais je vais clore ça ici pour l'instant pour ne pas dire n'importe quoi. C'est un élément, juste rapidement, je peux dire, sur lequel, par contre, là, on doit être très fiers à Laval parce que c'est une grande proportion du territoire qui est en zone agricole. Il y a effectivement un effort de dynamisation, là, clairement, de l'économie reliée à tout ça qui est à faire, mais c'est absolument remarquable quand on y pense d'être à l'intérieur de la région métropolitaine, collé comme ça sur le noyau et d'avoir une superficie comme ça qui, je rappelle, est complètement protégée avec le schéma d'aménagement. Donc ça, c'est quand même une belle force que Laval a, il faut le souligner, là, c'est très rare. D'ailleurs, je pense que quelque chose que je trouve qui se ressort beaucoup de la conversation que vous venez d'avoir, c'est qu'il y a plusieurs versions ou visions différentes du développement. Comme on a beaucoup parlé de ces aspects sociaux, de qu'est-ce qui est monnayable, qu'est-ce qui n'est pas monnayable. Et j'ai l'impression peut-être que ce qu'il y a souvent dans l'esprit, peut-être même des gens qui nous écoutent ou des citoyens, c'est qu'il y a un peu une dichotomie entre les enjeux environnementaux et sociaux et le développement. Il y a peut-être un peu ce mythe que tout ce qui n'est pas comme qui ne fit pas dans une certaine idée du développement, c'est nécessairement cher, ou même que des fois, on voit les enjeux sociaux et environnementaux comme un peu des troubles faits qui vont à l'encontre du développement de la ville. Et j'aimerais peut-être vous entendre un peu sur cette vision-là, sur comment combiner ce qui est social, l'économie, l'environnement et bref, tous les enjeux humains de la ville. Peut-être Thomas, si tu veux, pourrais-tu commencer? C'est une grosse question. C'est large. C'est sûr que je ne sais pas si c'est là où vous vouliez aller, mais c'est sûr qu'il y a souvent, les gens font souvent une distinction ou pensent qu'il est incompatible de la question de l'écologie, par exemple, ou de la construction écologique et puis l'abordabilité résidentielle. C'est un terme, abordabilité. Ou même, peu importe le prix du foncier de façon générale ou des bâtiments. Je pense que c'est assez clairement démontré maintenant que c'est plus ou moins, en fait, c'est pas vrai. Et moi, je suis pas spécialiste, je suis pas architecte, là, donc je vais pas aller trop loin là-dedans, mais effectivement, moi, j'ai lu quand même pas mal de trucs là-dessus, plusieurs analyses, plusieurs cas d'espèces qui ont été faits. Je pense que la SCHS est déjà penchée là-dessus aussi. Peut-être que Myriam aurait une réponse plus concrète, mais je pense qu'entre 0 et 5 % de différence de prix, quand on est vraiment généreux, ça devrait pas être un enjeu, là, normalement. On voit souvent, en fait, on n'est pas habitué de voir les trois ensemble. C'est sûr que le DD, le développement durable qu'on appelle, ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est pas des pratiques qui sont 100% intégrées au milieu de l'immobilier. Donc, c'est absolument pas vrai que la construction qui est écologique ou un modèle écologique est plus cher ou même niveau social aussi. Souvent, ce qui fait qu'on pense le contraire, c'est parfois l'investissement de base va être plus élevé, mais souvent avec les performances éco-énergétiques et écologiques de tout ce qu'on construit, on est rentable à long terme. C'est sûr que un peu comme une voiture électrique, en fait, on va payer un peu plus cher à l'investissement, mais on est gagnant. Donc, on est gagnant pour le confort de la personne, souvent, parce que c'est pas juste écologique ou une question d'argent. Niveau santé, on va être énormément gagnant aussi. Il y a plusieurs aspects que des fois, on oublie dans l'environnement où ça nous fait peur. Par exemple, un plus gros prix à l'achat. Mais il faut penser long terme. Puis c'est ça que l'environnement préconise aussi. C'est souvent ça qui est oublié. On est tellement dans le rapide, on veut faire le profit ou on veut vendre tout de suite. Donc, il ne faut pas que ça coûte cher tout de suite. Mais si on se préoccupe un petit peu plus à long terme ou si on change la vision, on se rend compte que tous les avantages sont là, en fait, sans nécessairement, en fait, en ayant payé moins cher, tout simplement. Mais merci pour cette réponse. C'était vraiment très intéressant. Puis c'est ça que je visais en fait pour ma question. Maintenant, j'aurais peut-être dirigé plus la discussion vers des enjeux précis au territoire lavallois. Donc, ma première question va porter sur les îlots de chaleur, souvent dans les nouvelles vues comme un enjeu montréalais. Donc, îlots de chaleur, est-ce un problème à Laval? Et peut-être Philippe, si tu voudrais répondre à cette question-là. J'ai quand même un ricochet parce que je ne suis pas expert des enjeux de chaleur, mais. J'ai l'impression qu'il y a des endroits à Laval qui ont des îlots de chaleur, mais de manière générale, du fait qu'il y a beaucoup de terrains agricoles entourés de rivières et tout ça, puis de milieux naturels encore, j'ai pas l'impression que c'est partout sur le territoire, mais c'est probablement localisé à certains endroits. Puis à ce moment-là, ben ça serait de voir est-ce que c'est quoi les typologies d'aménagement qui sont utilisées dans ces aménagements-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de
trouver d'autres typologies? Est-ce que dans le ratio d'espace minéral versus végétal, il y a souvent beaucoup à faire juste là tu sais, aller chercher, corrige-moi, Thomas, mais au niveau des règlements municipaux, bon, d'habitude, il y a des pourcentages dans des nouveaux projets de développement de verdissement. Mais je sais que c'est souvent un élément qui est... en tout cas, il y a de la friction avec les développements immobiliers parce que l'espace qui est utilisé au verdissement n'est pas monnayable, encore une fois. Je pense à des condos, par exemple, des trucs comme ça. Donc... je sais pas, il y a plein de choses à faire, mais à plein de niveaux différents, juste en termes de type d'aménagement, mais aussi de qu'est-ce qui est demandé en termes de construction. Là, tu sais, c'est quoi les paramètres, c'est quoi les contraintes dans le design. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un jeu à aller chercher. Là. On parle que c'est pas monnayable, mais je serais curieuse de savoir, peut-être, Thomas, tu saurais, mais est-ce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas des calculs qui sont faits justement sur soit les valeurs des propriétés qui sont dans des endroits qui ne sont pas des îlots de chaleur, par exemple, parce qu'ils sont plus élevés que d'autres valeurs de propriétés. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on a cette idée-là? Puis l'autre chose que j'avance, c'est que dans le contexte de la résilience, justement, tu sais, par rapport à des problématiques d'inondation ou de problématiques liées aux îlots de chaleur. Il y avait une étude qui a été faite en Angleterre, mais qui parlait du fait que les compagnies d'assurance veulent investir de façon importante dans la réduction, par exemple, au niveau des écoulements des eaux. Des eaux de pluie et tout ça. Exactement, parce que pour eux autres, ça limite les dommages. Fait qu'il y avait comme un genre de mouvement de... si on développe une stratégie particulière, qu'eux seraient intéressés de financer ces stratégies-là. Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va? C'est des gens d'Angleterre, mais je trouvais que c'était quand même intéressant comme approche de dire, bien, c'est monnayable pour eux, en tout cas. Mm. Je pense que l'enjeu dans ce type de données-là, c'est d'être capable de trouver un calcul juste de ces... C'est calculer l'effet en argent des réductions des îlots de chaleur, par exemple au niveau de la santé, réduction des eaux de pluie, des trucs comme ça. Souvent, il y a moins d'énergie qui est mise à calculer ça. Fait que c'est plus difficile, par exemple, tu sais, d'étudier un gestionnaire de projet ou à la ville, par exemple, on a seulement des données pour rebacker, mettons, des décisions. S'appuyer sur du data qui possède, qui en est entre les mains. C'est sûr que s'il y avait que cette information-là serait plus accessible, peut-être que dans les discussions, dans le discours qui serait véhiculé, ça changerait bien les affaires. Mais c'est pas quelque chose d'accessible. Souvent, c'est des. Ou les data de ces trucs-là sont très locales, donc ne sont pas applicables, par exemple, partout. Ouais. Je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Philippe. On vient de faire, le CRE, une conférence sur Thomas et Dewey, nice. Cool. Sur, en fait, les écoquartiers et la santé. Donc, on a invité des docteurs qui ont fait des recherches sur les eaux de chaleur et les écoquartiers, okay. Et le contraire et les effets que ça avait sur la santé et sur l'État, en fait, ce que ça leur coûtait, ce que ça nous coûtait à tous d'avoir des eaux de chaleur et d'avoir des environnements qui sont mal créés. Donc, problèmes de santé, pollution, etc. Il y a des nombres effarants de morts prématurées. Donc, on a des milliards qui ne sont pas investis mm-hmm. en aménagement qui pourraient être sauvés. Donc, ça, oui, c'est disponible, mais effectivement, c'est pas extrêmement difficile. Donc, on l'a fait. Si vous voulez aller voir, c'est en rediffusion sur notre Facebook, ouais. Sur notre YouTube, en fait. On a une conférence là-dessus. Je vais faire du pouce aussi ce que Louise avait dit. Ben aussi, et toi aussi, Philippe, au début, que les eaux de chaleur, oui, tout à fait, c'est un enjeu à Laval. Tu as raison, par contre, qu'il y a beaucoup d'espaces boisés où ça l'est moins. Puis c'est ça, les eaux de chaleur, c'est quand il n'y a pas d'espace végétalisé. Puis tu disais, Louise, peut-être, tu voulais voir s'il n'y avait pas une valeur ajoutée, ou si on ne peut pas calculer la valeur des espaces végétalisés, des maisons végétalisées versus ceux qui ne sont pas. En fait, moi, j'ai pensé au contraire. Vous avez sûrement, ou en tout cas, ça se voit très bien en vue d'oiseau,
les quartiers qui sont très minéralisés et les quartiers, et des fois, c'est durant parc à parc, on parle de parc et Mont-Royal à Montréal. À Vol d'Oiseau, on voit très bien la partie qui est minéralisée et la partie qui ne l'est pas. Et quelles sont les valeurs, les propriétés de chaque côté, on pourrait très bien avoir une idée de qu'est-ce qui vaut le plus cher. Donc, juste à le voir, on voit bien, comme on dit, que ça a une valeur ajoutée. Puis, c'est triste parce que ça fait des différences sociales aussi. Donc, c'est pas juste au niveau de la santé, ça sépare les gens. Il y a d'autres conséquences, là, justement, sociales à ça, en plus d'être environnemental et économique. Si je pourrais juste interrompre la conversation, pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on pourrait avoir une définition de ce qui est minéralisé, en fait? Oui, bien là, je repartirai de zéro. Le chaleur, en fait, c'est une zone où on enregistre des écarts de chaleur, en fait, des maximums de chaleur très, très élevés versus d'autres zones. Donc, ça peut aller des fois jusqu'à des dizaines de... plusieurs dizaines, en fait, de dégâts entre, par exemple, un asphalte et un petit boisé. C'est dû à plein de facteurs, le type de matériaux, comment il y a un magasin de la chaleur, la perméabilité du matériel, l'aération de nos structures, de comment la ville est faite. Donc, en fait, les solutions sont dans ces causes-là, en fait. Donc, de végétaliser, c'est toujours une bonne chose, puis pas juste le sol, les murs, les plafonds, t'sais, en fait, les toits, on peut faire ça aussi. Mm-hmm. Puis même sans mettre du vert, on peut mettre du blanc. Donc, les surfaces qui ont des couleurs pâles ont un albédo, donc une réflexion du soleil plus élevée, ce qui fait qu'on amasonne encore moins de chaleur. Puis la perméabilité du sol, c'est qu'en fait, c'est que moins il y a d'eau dans le milieu urbain, moins les actions qui rafraîchissent sont possibles. Donc, on a moins d'évaporation d'eau puis moins d'évapotranspiration. Donc, c'est toutes des choses qui, mises ensemble, font que des fois, il fait 50 degrés, vague de chaleur, mort trop tôt. Donc, plein de conséquences comme ça là, qui méritent d'être réglées. Puis c'est des éléments aussi qui sont... Les îlots de chaleur, c'est parce que des fois, on en parle un peu comme... On isole le sujet, mais en fait, c'est une question qui nous amène à questionner toute la façon avec laquelle on aménage le territoire. Les îlots de chaleur, ils sont pas là parce qu'on a pris plaisir à paver des superficies pour voir ce que ça donne. Je veux dire, les superficies pavées, elles sont pavées parce qu'on considère qu'il y a une raison, il y a un besoin, mais est-ce que ce besoin-là est vraiment là? Est-ce qu'il est autant là de nos jours, etc.? Donc, évidemment, puis je ne veux pas mettre le doigt toujours sur la même chose, mais il y a quand même beaucoup de superficies pavées qui servent à l'automobile et non pas à l'humain, comme vous et moi qui marchez dans la ville. Et donc, si vous prenez par exemple le centre-ville de Laval, qui est un des principaux pôles d'îlots de chaleur de la ville, le quart du territoire à peu près du centre-ville de Laval, c'est des espaces de stationnement. Le quart du territoire du centre-ville de Laval, ce sont des espaces de stationnement extérieur. Alors, évidemment, ce sont des lieux d'îlots de chaleur, ce sont des lieux où l'écoulement des eaux se fait à vitesse grand V avec les impacts que ça peut avoir sur les infrastructures. Donc, il y a toutes sortes d'impacts qui sont connexes à la question des îlots de chaleur. Puis, régler les îlots de chaleur règle souvent aussi un certain nombre d'autres choses. Mais d'ailleurs, j'aurais peut-être enchaîné sur la question de la configuration des quartiers parce que je pense que vous, comme vous savez, pour plusieurs, à Laval, un des gros modèles, c'est les smart centers. Donc, on a des quartiers, puis on a des grands espaces justement avec beaucoup de stationnement, beaucoup de commerces où les gens vont magasiner en utilisant la voiture. Et c'est un concept, je pense, que les citoyens commencent à rejeter de plus en plus. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez voir à la place? Et je pense peut-être que tu aurais relancé Myriam, parce que notamment, tu avais mentionné le concept des écoquartiers. Oui, tout à fait. Donc, un écoquartier, c'est juste une façon de repenser, en fait, notre milieu. C'est basé sur plusieurs principes, comme la mixité des usages. Un peu comme on avait dit, on n'aura pas un bâtiment qui est fait pour un seul usage. Donc, ce n'est pas qu'un quartier résidentiel, ce ne sera pas que pour des commerces. Donc, souvent, c'est des bâtiments qui ne sont pas non plus... comme une maison, donc un étage, deux étages. Donc, on va maximiser la hauteur aussi pour éviter de s'étaler en largeur. Puis c'est un peu, vous avez sûrement déjà entendu les villes, les 15-minute cities, donc les villes à 15 minutes, où le but sera en fait de tout pouvoir faire à peu près à 15 minutes de chez soi. Donc avoir une multiplicité de services
et de choses à faire qui limitent en fait l'utilisation de la voiture. Donc, imaginez si vous pouviez aller faire l'épicerie à 300 mètres, pouvoir travailler à 5 minutes de chez vous, aller pouvoir aller au cinéma en moins de 15 minutes. Donc, tout ça ici favorise aussi les transports actifs, les transports alternatifs, les transports en commun. Réduit aussi beaucoup l'utilisation de la voiture. Donc, on n'a pas à faire 40 km pour se rendre au travail ou ailleurs. Donc, il y a un mix d'avantages environnementaux, sociaux aussi et économiques à ça. Plus c'est proche, plus on peut y aller facilement. Donc, ça serait une des belles visions, en fait, qu'on aimerait voir à la place des Smart Centers. Il y a énormément de stationnements à Laval. Puis il y a beaucoup de possibilités de changer ce stationnement-là justement en des super milieux de vie. C'est ça, qui aurait une très grande valeur. Oui, puis il faut, si je peux ajouter, il faut. C'est vraiment de belles opportunités. Puis c'est sûr que c'est facile pour les acteurs du public ou de l'économie sociale ou autre, en fait, des gens comme nous ici à la table, de casser du sucre sur le dos des développeurs ou des promoteurs. Mais ça, ce sont des alliés potentiels extrêmement puissants dans bien des cas. C'est ce qu'on essaie de faire à la ville aussi, parce que ces grands propriétaires, en particulier ceux qui sont là pour rester, ça, je tiens à faire la distinction, là, ce qu'on appelle les REIT ou les grands propriétaires fonciers qui veulent faire fructifier leur propriété, souvent, de plus en plus, en fait, ce sont ce genre d'acteurs-là qui possèdent des grands centres commerciaux ou des lifestyle centers, ou peu importe comment ils les appellent. Et le redéveloppement qui est forcément progressif là, de ces grands espaces-là, comme on l'a vu ailleurs en Amérique du Nord, un peu partout, là. Par exemple, au fur et à mesure qu'il y a un bail qui se termine ou peu importe, là, ben, on redéveloppe le stationnement puis une partie d'un bâtiment, par exemple un smart center, une chose comme ça. Ces grands acteurs-là sont maintenant dans une optique, pour la plupart, là, où ils comprennent bien que s'ils veulent faire fructifier puis justement pérenniser la valeur de leur propriété, ils doivent investir pour que ces propriétés-là soient intéressantes et en faire soit des quartiers ou des morceaux de quartiers. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous la même vision, puis ils sont là pour faire de l'argent, puis c'est correct, c'est leur boulot. Là, donc, notre rôle à nous, évidemment, c'est de veiller au bien-être des Lavallois, puis à s'assurer que de ça émergent des quartiers qui sont intéressants. Mais ça reste quand même des opportunités, disons, extrêmement grandes pour faire, comme Myriam le disait, des quartiers, des éco-quartiers ou d'autres, peu importe comment on les appelle, là, parce que c'est aussi des acteurs qui ont beaucoup de capacité, là, un gros levier, là, et généralement beaucoup de moyens financiers aussi. Là. Donc, il y a quand même un beau potentiel à entretenir un dialogue avec ces gens-là pour aller travailler dans le même sens. Je voudrais renchérir sur ce que Thomas a dit parce que je suis d'accord avec ça. C'est puis je pense qu'il n'y a pas une période de la décennie qui va être la plus propice à ce genre de dialogue actuellement avec les développeurs immobiliers, surtout les gens qui sont propriétaires des centres d'achat ou même des centres de bureaux, des lieux d'espace de bureaux. Par contre, ce que je pense, c'est que pour les écoquartiers puis pour ces genres de choses-là, il faut être capable de créer de la pression pour que la ville qui va donner des permissions de changer des zonages ou de permettre des choses ait suffisamment de pression du milieu pour dire bien, on va faire de l'abordabilité perpétuelle, on va faire du logement social là-dedans, mais on va aussi faire d'autres choses qui vont créer de la valeur pour le REIT. Moi, je suis d'accord avec ça. Et je suis totalement d'accord avec ce que Thomas dit dans une expérience antérieure pour les ateliers d'artistes dans le Milan. Il y avait un gros REIT ontarien qui a accepté de faire des loyers de 200 000 pieds carrés sur 2 millions de pieds carrés, 200 000 pieds carrés de très peu de loyers très peu chers pour 30 ans pour des artistes. Le problème, c'est qu'on n'avait pas vu venir l'idée que mais les taxes augmentent, puis la portion des taxes du loyer, elle est énorme. Donc, les ateliers d'artistes du 200 000 pieds carrés du Milan ne sont pas si abordables que ça, pas à cause que le REIT n'a pas donné un bon loyer, mais parce que les taxes sont beaucoup trop élevées, puis il faut que les artistes le payent. Donc, il y a un travail de collaboration à faire entre la municipalité, les citoyens et les propriétaires immobiliers. Puis c'est dans leur intérêt, je suis convaincue aussi que
c'est ce qu'ils veulent. Puis, tu sais, eux autres, ils voulaient garder des artistes dans le quartier parce que ça attire des entreprises de haut niveau parce qu'ils veulent être dans un espace créatif. Au même titre que les REIT, comme pour un redéveloppement d'un éco-quartier, ça a de la valeur de faire un éco-quartier. Ça a une valeur économique importante pour les REIT eux-mêmes. Tu sais, fait que je pense que c'est comme un juste équilibre, tu sais, de trois. C'est comme un tripartite. Puis je lance une idée comme ça qui m'a beaucoup animée pendant des années quand je travaillais sur le projet de Radio-Canada à Montréal. C'est la notion des accords de bénéfices à la collectivité. En anglais, on dit CBAs, Community Benefits Agreements. Et les CBAs, c'est dire que, ou les accords de bénéfices à la collectivité, c'est de dire, ben vous allez redévelopper le gros Smart Center en éco-quartier. Quels sont les bénéfices qu'on souhaite avoir à la communauté? Fait que c'est comme une discussion qui se passe entre les différentes parties, au lieu que ce soit juste la ville et le développeur immobilier, les citoyens en font partie, la communauté. C'est super intéressant. Une expérience là-dedans était à Los Angeles, l'aéroport qu'il devait faire. En tout cas, il y a eu plein d'investissements pour la collectivité, des emplois locaux, des garderies, toutes sortes de choses qui ont été créées par cet accord de bénéfices à la collectivité. Et merci beaucoup. Justement, parlant de développement, je pense que pour le futur développement à Laval, il y a un gros obstacle qui est la configuration actuelle des quartiers. Et le problème, notamment, je pense, c'est que, comme vous savez, les quartiers de Laval, c'est beaucoup de quartiers éloignés, reliés par de grands axes routiers. Donc, c'est sûr que ça peut limiter jusqu'à un certain point comment on agrandit la ville. Puis, je voulais peut-être entendre votre opinion sur comment développer le transport et la ville en tenant compte de cette structure qui n'est pas très, justement, amicale à un développement vert. Peut-être Myriam ou Thomas? Ouais, en fait, les axes routiers à Laval, un, sont extrêmement nombreux. C'est une des grandes parties bétonnées de la ville. Mais par contre, ils sont encore nécessaires, clairement, vu la configuration, justement, de la ville. Puis, de la desserte en transport en commun qu'on a pour l'instant. Ça va être doucement, en fait, ça va se faire, mais ça doit se faire quand même. Puis, ce qu'on peut faire, on peut le faire rapidement maintenant. Sont amenés à disparaître tranquillement, ces grandes artères-là de 4, 5, 6 voies. Ils peuvent être retranchés tranquillement à l'auto-solo parce que c'est bien de rajouter le transport en commun, mais il ne faut pas non plus rajouter des voies en rajoutant ce transport en commun. Donc, juste tranquillement de retrancher les voies progressivement au profit de voies réservées, justement, ou en remplaçant, par exemple, une voie par piste cyclable, transport actif, un peu comme le rêve l'a fait sur Saint-Denis à Montréal. Donc là, on se met à la place de exclusivité auto vers un partage des types de transport. Donc, on végétalise et on encourage d'autres types de transport et de surface, en fait, à la fois. Donc, c'est pas les grosses méchantes routes, là, c'est pas juste de les éliminer, mais bien juste de les réaffecter, en fait, là, pour que ça soit plus intelligemment créé et que ça réponde à plusieurs besoins. Je ne suis pas expert en autoroute, mais j'ai une petite pensée qui me pop à la tête. Souvent, on parle de développer une ville écologique et tout ça, mais tu sais, par rapport aux axes routiers, moi, je vois des enjeux de connectivité écologique et tout ça. Puis un des enjeux que je vois, c'est comment on fait pour aménager des axes, ou en tout cas bonifier ces axes-là pour permettre à la faune de se déplacer, et les humains aussi, là, mais de manière générale, pour c'est une tortue ne traverse pas une autoroute, c'est clair. Les oiseaux, ça va, mais comment on fait pour aménager la ville aussi en pensant aux communautés non humaines? Puis les axes routiers, c'est quand même un grand défi, mais je crois qu'il y a plein de beaux précédents dans le monde de ponts routiers, donc qui coûtent très cher, mais aussi juste des tunnels là, tu sais, pour la faune et tout ça qui pourraient être aménagés. Voilà. Des écoducs. Des écoducs, oui. Ben, aussi, les questions des... Tu sais, il faut quand même revenir à
oui, il y a du travail à faire à Laval, mais il y a quand même une histoire qui fait en sorte qu'elle est configurée comme elle l'est. Là. Et donc, on a quand même un ensemble de villages qui sont devenus une ville en 1965. Alors forcément, oui, il y a des noyaux qui sont présents sur le territoire, qui ont l'air éparpillés, mais en fait, ils ne sont pas éparpillés, c'est juste que c'était des villages. Et effectivement, ben, l'arrimage au transport en commun, mais évidemment, pour ça, il faut une certaine densité, parce que sinon, c'est pas possible de l'imaginer. Et il y a des secteurs qui... Dans le fond, Laval est très riche d'une chose, c'est d'une grande diversité. Au fur et à mesure qu'elle devient vraiment urbaine dans certains points, comme le centre-ville et d'autres, là, elle va vraiment devenir une ville presque complète avec la ruralité, les anciens noyaux villageois, la banlieue qui va continuer de plaire à une certaine clientèle. Il ne faut pas non plus faire abstraction de ça. Et donc, conserver et bonifier cette grande diversité-là, ce n'est pas nécessairement mauvais non plus. Il y a des secteurs de la ville qui vont être desservis par l'automobile de façon prioritaire pendant encore des décennies et des décennies et des décennies à venir. C'est correct comme ça, tant et aussi longtemps qu'on vient travailler sur des endroits qui nous permettent d'avoir l'opportunité de mettre en place du transport en commun, du transport actif, de la mixité des usages, etc., comme on dit depuis le début. Mais je pense que les deux situations peuvent vivre en parallèle puis répondre à des besoins différents aussi. Avant qu'on passe à peut-être la dernière partie de notre présentation, plus sur les sur l'aspect peut-être plus politique et l'engagement citoyen, j'aimerais peut-être entendre Philippe sur l'enjeu du gazon, parce que c'est quelque chose que tu as apporté plusieurs fois, que tu n'aimais pas beaucoup le gazon. Tu peux peut-être nous expliquer en quoi c'est néfaste et aussi comment nous, citoyens qui ont, je pense, pratiquement tous un jardin gazonné, on peut faire pour développer et encourager la biodiversité dans notre propre cour. Oui. Merci pour la question. Je pense qu'il ne faut pas démoniser le gazon, c'est vraiment pas ça mon but. Avec nos voisins, ce qu'on essaie de signifier, c'est surtout la prédominance de cet élément paysager-là partout, qui est un peu une sorte de tapis qu'on déroule un peu de facto à défaut de savoir mettre autre chose. C'est un peu le go-to. Puis cette pratique-là, surtout, c'est que surtout culturel. Nous, on la challenge parce qu'elle a beaucoup d'implications à plusieurs égards, là, tant sur le plan culturel, qu'est-ce qu'on pratique, qu'on continue de perpétuer comme pratique de jardinage, mais aussi en termes très techniques de qu'est-ce que ça offre le gazon en termes sur le plan écologique. Puis il y a plusieurs, ces études qui démontrent là, que même si ça fait de l'oxygène, que ça c'est moins pire que de l'asphalte, mais t'sais, ne serait-ce que les îlots de chaleur, il y a une étude qui est sortie faite par la Fondation David Suzuki qui ont calculé qu'il y avait à peu près presque une trentaine de degrés de différence entre le gazon et des différentes sortes de végétation plus complexes. Donc, c'est quand même majeur. Autre chose aussi, dès qu'on prend le point de vue, qu'on change de paire de lunettes, commence à avoir une vision un petit peu plus éco-centrique, dans le sens qu'on prend en compte les besoins de toutes les communautés non humaines. La pelouse donne très peu de potentiel pour y vivre. Donc, quand on met ça partout, ça fait que la capacité d'accueil de nos milieux de vie diminue drastiquement. Puis on rajoute à ça la sorte de religion qui vient avec le gazon, puis tout ça, puis tout cet élément paysage-là qui est associé à notre identité de vie. Donc, on trouve ça important de le questionner. Il y a d'autres enjeux que la pelouse, mais on voit l'élément de pelouse aussi comme un élément. C'est comme un volet stratégique à ça. T'sais, si on est capable de changer la typologie d'aménagement, mettons résidentiel, ou trouver des alternatives à la pelouse, tant en termes esthétiques que fonctionnels, en termes d'entretien, tout ça, ça ouvre un énorme potentiel. Dans la région de Montréal, il y a à peu près 68 000 hectares de gazon qui ont été estimés. C'est à peu près 367 fois le Mont-Royal en pelouse. Donc, c'est énorme comme potentiel là, de régénération d'écosystèmes en milieu habité. Puis surtout que souvent, la pelouse, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a des endroits qu'on va se servir
c'est bien correct d'avoir un endroit chez soi pour que les enfants jouent ou d'en s'en servir comme passage et tout ça, mais est-ce que toutes les devantures, c'est nécessaire qu'il y ait de la pelouse? Est-ce que les health strips, là, quand qu'on aménage en ville, est-ce qu'on a besoin de mettre de la pelouse? C'est probablement que non. Il y a tellement de volets à ça, mais là, après, il vient, là, bon, ça coûte pas cher de la pelouse. Fait que souvent, dans une logique de développement immobilier, les règlements d'urbanisme, ils prévoient pas nécessairement de disposition par rapport à l'aménagement. Donc, un développeur immobilier qui va faire une maison, va construire, il va avoir la tête du remblai, il va faire le nivellement. Puis lui, qu'est-ce qu'il est demandé de faire? C'est souvent, ça dépend de municipalité à municipalité, mais de recouvrir de pelouse, en gros, minimalement. Fait que c'est souvent le minimum qu'ils font parce que leur but, c'est de vendre la maison et tout ça. Puis après, ben, les gens qui achètent, qui arrivent avec cette base-là, qui après peuvent construire dessus, mais que bien les gens s'arrêtent là. Donc, mais bref, fait qu'il y a énormément de potentiel avec la pelouse. Puis c'est ça. Je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là. Hey, merci beaucoup. Puis, j'ai une question de curiosité. Je peux te poser une question de curiosité? Oui, bien sûr. Je veux juste savoir. Ben, OK, sur mon terrain, dans ma cour, si on veut que les enfants jouent, je pourrais poser quoi qui serait moins nocif que du gazon, de la pelouse? Ben, l'affaire avec la pelouse, c'est que ça a une raison d'être. C'est que ça tolère énormément la compaction. Fait que, dans la mesure où c'est des espaces de jeu, moi, je mets de la pelouse dans mes plans de projet pour ces usages-là. C'est les usages où on n'a pas besoin de marcher dessus, de piétiner, où il y a tout un spectre d'autres sortes d'aménagements puis de plantations qui pourraient être réfléchies. Mais c'est pour ça qu'on les utilise dans les terrains sportifs, c'est pour ça qu'ils sont utilisés dans des trucs comme ça. D'ailleurs, ça m'amènerait vers une prochaine question, parce qu'en fait, je pense que comme on approche de la fin, on va peut-être discuter plus de l'engagement citoyen. Donc, justement, en tant que citoyen à Laval, comment on peut faire pour protéger la biodiversité et je pense par la bande aussi, contrôler les changements climatiques. Ben, si je fais du pont un peu sur ce que Philippe a dit, la biodiversité, on l'entend justement dans notre cours, plus on vraiment a une vision citoyenne, là, c'est justement de végétaliser avec une intention, justement, de penser à, comme dit Philippe, pas s'arrêter au gazon qui est juste là, mais d'avoir une intention de ce qu'on peut faire avec. On peut choisir des végétaux en fonction de ce qu'on veut attirer, animaux, insectes, etc. Je pense que ça, de juste d'y penser. On n'y pense pas à notre cour et à notre gazon, c'est là puis c'est comme ça. Donc, de changer un peu cette vision-là pour dans notre cour. Puis si maintenant je passe côté changement climatique, dans notre cour, il y a quoi aussi? Il y a les voitures, puis il y a le nombre de voitures. Donc, j'irai avec le réduire l'utilisation du nombre de voitures. Puis ça se rattrape aussi. Ça va rejoindre tout ce qui est dans notre ville en tant que citoyen. Changement climatique, en fait, c'est dû à l'augmentation des gaz à effet de serre, donc des GES. Puis pour dire une phrase qui a été dite, je ne sais pas combien de fois, le meilleur GES, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, juste réduire ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait. Gaspillage alimentaire, réduire la consommation, le fameux « j'en ai-tu besoin », il est à se poser plusieurs fois la question quand on fait nos actions du quotidien. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on pourrait se poser la question. Donc, de réduire pour ne pas créer ces GES-là en tant que citoyen, c'est une très bonne façon de contrer les changements climatiques. Je ferais du pouce là-dessus. Je pense que tout à fait, là, Myriam, là, j'apporterais une petite nuance dans le sens il y a plein de. Souvent, on met, il y a beaucoup de. Les gens se mélangent entre les changements climatiques, biodiversité, toutes ces questions-là. C'est comme un gros mouton dans la tête des gens. Changement climatique, puis aussi, en tout cas, les phénomènes de changement climatique et d'érosion de la biodiversité, ils vont s'exprimer à différentes échelles. Donc,
T'sais, les plus acides, t'sais, chez soi, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. C'est comme c'est des phénomènes qui sont énormes sur des grandes échelles, tout ça. Puis c'est à ce moment-là, c'est les grands projets structurants, puis c'est la manière, à plus grande échelle, comment on gère notre territoire, nos trucs qui vont avoir un plus grand impact. Excuse-moi. Puis à ce moment-là, c'est là que l'implication citoyenne devient super importante parce que on est les watchdogs un peu de tous les projets qui vont se passer. T'sais. Fait que c'est notre job de s'organiser, puis de... Puis si c'est possible, puis si la ville a aussi des dispositifs pour impliquer les gens, que nous, on puisse s'impliquer le plus possible. Mais à l'échelle d'une maison de chez soi, je pense que c'est important de comprendre peut-être les... pas pour décourager les gens, dans le sens qu'il y a comme une limite à ce qu'on peut faire individuellement. Puis c'est pour ça que, tu sais, je parlais du gazon comme ça. Tout le monde a du gazon. Fait que si tout le monde change, là, à ce moment-là, il y a comme un effet collectif qui est super. C'est au niveau de la biodiversité, d'augmenter la connectivité est super importante. Donc, chez soi, peut-être d'encourager le voisin à l'aménager pour la biodiversité, c'est aussi super, aussi important, par exemple, que de le faire soi-même. D'encourager, d'organiser, de penser à sa cour. En fait, juste de percevoir sa cour comme un morceau d'écosystème, puis de comprendre que c'est pas juste... une propriété privée avec un certificat de localisation, puis ton terrain s'arrête là. Mais c'est un morceau de territoire, puis les gestes qu'on pose dessus peuvent l'améliorer ou le détériorer. Ça, je dirais un. Puis après, juste de faire l'exercice, puis moi-même, je l'ai déjà fait dans le passé, puis c'était choquant de voir à quel point mes gestes d'aménagement étaient tous centrés sur qu'est-ce que moi j'avais envie. Puis je vois souvent dans les projets, la première chose, les gens, ils arrivent avec une liste d'épiceries, tout ce qu'ils veulent dans leur cours. Mais c'est de penser, à quel point je pense à la faune, comment que je pense à l'écosystème, comment il fonctionne, comment que je traite mon sol, comment que. Puis tous ces petits détails-là, de penser de décentrer, dans le fond, les intentions dans l'aménagement, pour que ce soit juste soi. T'sais. Puis nous, on aime bien le concept du 50-50, là, nouveau voisin, qu'on prône beaucoup. Essayer de voir comment on peut aménager de manière à ce que tous nos besoins soient répondus et qu'on l'ait quand même divisé de 50% juste en superficie ou en intention qui est dédiée à la faune, à la biodiversité, à l'environnement et tout ça, dans sa cour. Ça peut être du compost, ça peut être changer du gazon pour planter des plantains de gènes. Ça peut être nourrir des oiseaux, mettre une source d'eau. Il y a tellement pas d'eau dans les milieux urbains. Puis juste de mettre une fontaine d'eau, c'est fou les bienfaits que ça fait. Réduire les outils à gaz tant que possible. Maintenant, il y a plein de belles... Au Canadian Tire, il y a des belles tondeuses électriques. Là. J'aime ça aller là. Puis ouais, c'est ça. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Peut-être que je peux juste ajouter que c'est effectivement très important d'avoir les deux côtés de la médaille, le geste personnel là, qui est une chose, mais il y a une limite à ce que théoriquement on peut tous faire, parce que théoriquement tout le monde pourrait changer, théoriquement tout le monde pourrait changer ses habitudes, ça, mais en réalité, c'est pas ça qui va arriver là. Donc pragmatiquement, l'impact le plus, un des impacts les plus grands que vous pouvez avoir, c'est pour ça que ce genre d'événement-là est important, c'est d'en parler, puis c'est aussi d'aller voir vos élus à tous les niveaux, de manifester que les citoyens puissent manifester leurs besoins ou leur vision. Les élus, c'est des gens qui écoutent, ils sont là pour ça, puis à Laval, de façon générale, je pense que les élus sont plutôt progressistes, là, mais dans toutes les villes, c'est sûr qu'à un niveau plus on monte de palier, plus ça devient difficile de rejoindre quelqu'un, probablement. Là. Le gouvernement de proximité municipale est très, 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 très proche des gens. Mais l'aménagement du territoire, c'est peut-être une des choses les plus éminemment politiques qui existent au sens premier du terme. Là. Mm-hmm. Ça concerne la chose civique. Tout le monde est concerné. Et c'est pas parce qu'un bâtiment est sur un terrain privé que ça ne nous concerne pas.
La distinction entre l'espace public et l'espace privé, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on a décidé de segmenter. D'ailleurs, les nations autochtones auraient un mot à dire là-dessus. Aller à parler aux gens qui sont en mesure de faire changer les choses, par exemple réglementaires ou légales, ça peut être très, très puissant aussi. Puis même, je suis surprise que tu ne l'avais pas dit, Thomas, mais il y aurait pensonslaval.ca aussi, qui est une belle plateforme. Je te laisse le dire, mais maintenant que j'y pense, qui est une super plateforme où les gens peuvent aller. C'est justement là où Laval demande à ses citoyens qu'est-ce qu'ils pensent. Donc, c'est une belle plateforme. Si vous avez quelque chose à dire, repensonslaval.ca, c'est un bel outil. Puis, pour prêcher pour ma paroisse, de soutenir les organismes aussi qui militent dans le sens que vous voulez, donc environnementaux. Juste personnellement, il y en a plusieurs, mais le CRE, a des membres citoyens. Donc, le fait qu'on soit de plus en plus derrière certains organismes environnementaux, ça donne du poids à ce qu'on fait. Et surtout le CRE, personnellement, on représente les gens. On est là pour respirer peut-être entre la ville et entre les citoyens. Donc, si vous nous dites ce que vous pensez, nous, on peut dire ce que vous pensez. Donc, ça peut être un des beaux outils pour catalyser, en fait, les idées des citoyens. J'ajouterai un petit détail juste à la fin. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a OK, c'est bon, c'est cool. Tout le monde n'est pas rendu à la même endroit dans leur tête par rapport à toutes ces questions-là, vous d'aménagement et tout ça. Puis je pense qu'il y a comme une partie de self-care aussi dans la transition, de ne pas se mettre le pouce sur l'épaule, d'aller tout de suite, tu sais, de tout changer. Puis je pense que si vous aménagez avec vos ressources, votre temps, puis à votre trip, vos manières de faire, vos manières de voir, tout ça, c'est un long processus de devenir écologique, là, entre guillemets. Donc, de pas trop se... Ce n'est pas un poids, la transition, ça peut être le fun. Donc, Bon, je ferai du pouce sur ce que Philippe dit parce que j'amène ailleurs, pas très concret comme vous, là, mais... Dans les derniers mois, j'étais en réflexion plus philosophique, je dirais. Puis je fais quelques démarches qui m'ont amené à comprendre que la distance qu'on a avec la nature, tu sais, aujourd'hui, dans les temps grecs, ou je ne sais pas comme quelle période exactement, mais ça a commencé de créer une distance entre la nature, donc les êtres vivants, les plantes et tout ça, l'âme de ces choses-là et l'homme. L'homme a tranquillement créé une séparation entre ces deux choses-là qui fait en sorte qu'on traite la nature comme si elle n'avait pas d'âme, si elle n'avait pas... Et là, je reviens à ce que Christina nous rappelait par rapport aux terres ancestrales, c'est-à-dire aux Premières Nations, qui, eux, ont un peu plus cette vision-là des choses que la nature, que l'animal, que tout le monde a une âme, a une valeur, et que ma responsabilité à moi, c'est de prendre ma part, mais pas d'exagérer, pas de spéculer, pas d'en prendre trop. Quand Philippe nous disait de penser à son aménagement, sur comment il peut servir les autres êtres avec qui je partage la terre, je trouve ça intéressant. Juste cette réflexion-là, en tout cas pour moi, ça m'amène à une réflexion différente. Je ne vous dis pas que je gaspille pas et que je consomme pas trop, mais je trouve que ça m'amène tranquillement à aller beaucoup plus profond en moi pour être juste comme faire la promotion de tout ça pour des raisons, pas juste que quelqu'un me dit que c'est mal de planter du gazon, mais parce que j'y crois, là, tu sais, c'est vraiment... Voilà. Et pour faire du coup sur ce que tu dis, Louise, et même Philippe, on donne des actions et on est là pour donner des solutions en ce moment. Mais effectivement, il y a beaucoup de pression qui est mise sur les gens pour changer le monde. Puis les industries, les villes, on a tous... il y a le bottom-up puis il y a le top-down. Là, il y a deux façons d'approcher ça. Puis souvent, ce qu'on voit puis ce qu'on fait bombarder les gens de partout, c'est « Ah, mais fais ça! Ah, mais fais ça! » Mais puis les informations environnementales, un peu comme Philippe l'a dit un peu plus tôt, c'est difficile de s'y retrouver. Changement climatique, il fait plus chaud, il fait moins froid. C'est quoi la météo versus le GES? Il y a tellement de termes, il y a tellement de choses à considérer. Les gens peuvent être surpassés par tout ça. Puis c'est difficile de se faire dire quoi faire après. Puis finalement, on a notre vie aussi à s'occuper. Donc, il y a plein de solutions, mais il ne faut pas se mettre de pression parce que sinon,
c'est le contraire qui va arriver. Les gens ne voudront plus jamais rien faire. Ça, c'est totalement vrai. Puis, pour faire du sens, ce que Louise a dit, en fait, c'est vrai qu'il y a une espèce de séparation entre la nature et nous. Puis, tu disais maintenant dans la Grèce ancienne, mais juste le temps de, par exemple, mes grands-parents, la relation avec la nature était déjà beaucoup, beaucoup plus forte. On protège ce qu'on aime, puis on aime ce qu'on connaît. Fait que si on reconnecte un petit peu avec la nature, juste aller dehors, des fois, les enfants jouent maintenant dans le béton avec des tablettes et ils ne savent pas c'est quoi la photosynthèse. Je veux dire, c'est des trucs qui sont quand même relativement simples, mais on a perdu cette connectivité-là avec la nature. Puis c'est peut-être un lien entre pourquoi on ne la protège pas, puis notre lien en fait avec elle. Donc oui, tout à fait. Puis c'est se faire dire quoi faire quand on ne sait pas pourquoi on fait, c'est super difficile. Mais de trouver une solution parce qu'on aime quelque chose, ça, c'est beaucoup plus facile. Puis le changement après ça est vraiment flagrant et est fait avec beaucoup d'enthousiasme aussi. Mm-hmm. Je trouve que la philosophie a beaucoup à amener en termes de gaz à la motivation là, pour nous soutenir dans toutes les... Parce que moi aussi, là, je fais du recyclage. Il n'y a personne qui est parfait, mais c'est juste si on a une sorte de moteur à l'intérieur qui est capable de nous amener à justifier nos gestes. C'est beaucoup plus durable dans le temps. Puis ça devient moins une tâche, là, tu sais, de... Ouais, c'est ça. Pour avoir du fun. Mais je suis contente que vous ayez amené la discussion vers cet aspect-là, parce qu'on va bientôt dans la période des questions et j'aimerais vous poser justement une dernière question, peut-être sur une perspective plus large. Et j'aimerais entendre chacun d'entre vous sur... En tant que citoyen, oui, qu'est-ce qu'on peut faire, mais qu'est-ce qu'on devrait demander de Laval? Qu'est-ce qu'on devrait demander de notre ville? Ça peut être autant sur la question des questions réglementaires, des questions de loi, ou même juste des questions de vision et de comment on devrait envisager notre ville, notre territoire. Donc, peut-être, Louise, voudrais-tu commencer? En fait, moi, je dirais que ben, c'est un peu audacieux ce que je vous dis, mais c'est de changer la pratique. Ce que je disais tout à l'heure, des accords de développement, c'est-à-dire dans une ville, un développeur immobilier ou un développeur crée un accord avec la municipalité pour faire son projet, mais qu'on rende ça tripartite, c'est-à-dire développeur, ville et communauté, puis que cet accord-là soit vraiment un lieu de discussion et de négociation sur qu'est-ce qui a une vraie valeur, tu sais, comme à la limite que la ville fasse une expérience sur un smart center, un gros développement, pour montrer comment... Parce que ça, ce que ça amène aussi, c'est que tu as les écologistes, les gens du logement social, les gens de toutes sortes de milieux qui vont avoir à discuter ensemble sur c'est quoi le bénéfice qu'on veut à la collectivité, comment on peut faire en sorte que le développement de ce projet-là fasse... est cet impact-là. Donc, c'est audacieux parce que je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a eu pour le CUSUM à Montréal, un accord de bénéfice à la collectivité comme celui-là. Mais c'est très intéressant parce que des fois, tu as juste un mouvement dans des villes comme Montréal. Il y avait le mouvement du logement social puis peut-être des espaces verts qui étaient les deux mouvements qui poussaient fort sur la ville. Mais le logement abordable, ben, c'est-à-dire, en tout cas, je parle d'abordable, pas social, ou les commerces de proximité, ou la garderie. Mais peut-être c'est le rêve qu'éventuellement on ait cette discussion-là quand il y a des grands projets avec la ville, que ça soit des discussions autour de c'est quoi les bénéfices qu'on a vraiment besoin dans notre quartier, puis comment on peut les discuter. Pour continuer notre tour de fin, Thomas? Je suis dans une position un peu délicate pour commencer à dire ce qu'il faut demander à la ville de faire, là, évidemment. Ce que je dirais, c'est que je suis obligé de prendre un autre angle, mais dire que, honnêtement, je pense que la ville fait quand même un certain nombre de choses assez bien. Et il faut, je pense, se rappeler d'où la ville vient jusqu'au changement d'administration. La ville a changé
presque, je vais dire radicalement, de cap sur bien des aspects là, dans les dernières années. Il y a un travail énorme qui a été fait à l'interne. L'idée, ça a toujours été de dire, ben, il ne faut pas gaspiller une bonne crise. Là. Une citation qu'on attribue faussement à Churchill, apparemment. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. Si on parle vraiment de ce qui nous occupe actuellement, comme le logement social, par exemple, la ville finance assez lourdement des projets de logement social. On pense, par exemple, au secteur de Val-Martin, joue un rôle qui va au-delà, d'ailleurs, de ce qui normalement devrait être, à mon avis, la responsabilité de la ville parce qu'on y croit, puis il faut y arriver, mais le gouvernement provincial s'est désengagé dans une certaine mesure. Il y a beaucoup de travail à faire, donc c'est correct que tous les acteurs y participent, mais il y a encore du travail à faire là-dessus, la portabilité résidentielle. Les changements climatiques, la construction écologique, tout ça est fondamental, mais quelqu'un qui n'a pas un toit, quelqu'un qui n'a pas un toit, là, ouais, peut pas nous écouter en ce moment-là, OK? On parle d'autre chose, là, à mon sens. Là, on est dans un autre niveau de problème, même si tous ces éléments-là doivent être pris en considération. On parle d'augmenter la capacité d'accueil, mais ça vaut pour les humains aussi, là, je veux dire. Absolument, tout à fait. Bref, d'autres gestes, le schéma d'aménagement, la vision stratégique. La ville s'est dotée d'un certain nombre d'outils de planification pour opérer un virage. Et je pense qu'il y a quand même la politique de l'habitation. On a trois programmes particuliers d'urbanisme qui sont en travail parce qu'on essaie vraiment de travailler un peu plus finement le territoire. On n'avait pas eu l'occasion de le faire avant. Donc, on essaie d'aller vers ça, la révision réglementaire. Vous le savez peut-être, on est en train de réviser complètement les règlements d'urbanisme actuellement. Pour aller vers une vision qui est beaucoup plus d'actualité, donc beaucoup plus durable aussi. Donc voilà, un certain nombre de gestes quand même qui sont faits. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail, mais c'est aussi très bien que les citoyens puissent se sentir à l'aise, peut-être beaucoup plus maintenant qu'avant, citoyens et groupes et tout le monde, de venir justement faire état de leur doléance auprès de la ville et des élus. Christina, je peux-tu juste intervenir deux secondes parce que là, comment oui, parler d'habitation, mon cœur vibre. Je voudrais juste dire que la ville fasse un règlement obligatoire d'inclusion, qu'elle soit plus agressive par rapport à ça, pas juste elle qui fait du logement social, mais que les développeurs soient obligés d'en faire. Pour moi, il est temps, là, grouillons-nous. C'est comme si les citoyens qu'il faut qu'ils le demandent, je le sais, parce que c'est l'élu ne peut pas décider qui fait ça tout seul. Il faut que ça soit demandé par les citoyens, mais ça existe, les règlements qui l'obligent. S'il est temps, là, c'est super. Tu l'as dit que les valeurs vont augmenter de façon importante à Laval. Si on ne fait pas de l'abordabilité, si on ne fait pas du logement social, on va être dans la chenoute dans 10 ans. Là. Ça va être, sinon, plus vite, mais en tout cas. Excusez-moi, j'ai un petit emportement. Non, c'est bien. On encourage les emportements. Thomas, il n'y a pas le droit. Je sais qu'il pense pareil. J'ai répondu en deux parties aussi. Juste le fait de toute la question, Christina, c'est qu'est-ce qu'on devrait demander à la ville? Mais j'arrêterai juste à on devrait demander à la ville. Les gens doivent demander ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'on arrive justement aux élus. Donc, de demander, c'est ce qu'on devrait faire. Donc, c'est ce qu'on devrait demander. Puis d'un autre côté plus précis, je dirais la réglementation. On devrait la faire, en fait, en pensant qu'il y en a qui vont se faire à long terme, puis il y en a qui vont se faire moins rapidement que d'autres. Donc, il y a des règlements, par exemple, qui pourraient être imposés à l'instant parce qu'on le sait que ça va prendre 20 ans, 30 ans à ce qu'on aille à l'atteinte potentielle du règlement. Par exemple, changer une flotte de la ville, on sait que c'est pas tout de suite. On sait que le renouvellement se fait sur plusieurs années. Donc, si on met un règlement, par exemple, maintenant, qui oblige tous les nouveaux véhicules de la ville, par exemple, à être électriques, déjà, on fait un effort maintenant, puis on n'attend pas. Donc, chaque véhicule qui maintenant va devenir électrique est déjà un gain, puis on est plus en avance après ça, là, puis on ne retarde pas ce changement-là qui va être progressif. Donc, de statuer sur des choses qui sont à long terme maintenant. Ça serait une des choses que je demanderais à la ville. Je me sens tout à fait imposteur de vous dire, tu sais, je ne suis pas Lavallois pantoute, mais si j'étais Lavallois, je pense que je demanderais à la ville
ce n'est pas déjà fait, parce que je ne suis pas au courant, mais d'avoir une sérieuse réflexion sur comment considérer la biodiversité dans des projets de développement pour arrêter de ce que Louise parlait de cette dichotomie-là, là, ville-nature, là, de penser la ville comme la ville et la nature comme le chalet, là, l'affaire qui est plus loin. Puis ça pourrait prendre plein de formes, il y aurait plein de choses qui pourraient sortir dépendamment du contexte lavallois puis de l'endroit, mais qu'il y a une réflexion par rapport à ça. Sérieusement. Je pense que vous allez aimer le projet de règlement pour le programme Pensées urbaines du centre-ville. Vous verrez si ça pourrait sortir. Cool. Je dirais, tu me fais penser, Philippe, là, je dis ça tout haut, mais la ville a tellement, on a parlé depuis le début, de potentiel. C'est Laval est agricole, c'est super rare pour une si grosse ville. Elle a le potentiel de protéger en haut de 20-22% de ses aires naturelles. Il y a du potentiel pour tout, là, c'est en développement. On est sur la ligne là, de Laval de devenir quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est de profiter de ce momentum-là pour justement être une ville exemplaire sur beaucoup, beaucoup de plans. Je pense qu'il y a une super belle opportunité de justement continuer dans cette allée-là, de son élan de plusieurs PPU, de voir avec les citoyens qu'est-ce qu'ils ont envie. Puis de justement, il y a plein de villes qui ne peuvent plus faire autant que ce que Laval peut faire. Donc, je pense que je dirais aussi à Laval qu'elle profite de ça puis qu'elle fasse de son mieux, comme tous les citoyens font de leur mieux avec ce qu'ils ont pour le changement climatique ou la biodiversité. La ville devrait faire ce qu'elle peut et de son mieux avec ce qu'elle a en ce moment. Ah, oui. Honnêtement, merci pour ces belles réponses. C'est beaucoup de perspectives et étonnamment, je pense que c'est encourageant malgré l'ampleur du travail je pense qu'on a à faire pour la transition écologique. Et je pense que sur ça clôturerait la première partie du panel qui était plus les présentations, puis je vois Marianne déjà qui est là. Donc. Eh oui, je me suis déjà invitée. Je sentais que c'était l'heure de la période des questions citoyennes, puis j'en ai plusieurs. Déjà pour commencer, peut-être pour faire du pouce sur ce que Louise a partagé et sa demande, notamment à Thomas tantôt. on a Alexandre qui dit « Louise, peux-tu drafter une demande dans ce sens pour que les citoyens la déposent au conseil municipal? » Alors, la POC est lancée, Louise. Donc, voilà. C'est drôle que tu dis ça parce que dans le fond, je ne ferais pas ça tout seul, mais tu trouves que c'est une piste vraiment intéressante qu'Alexandre lance, c'est de dire comment est-ce qu'on peut avoir un document qui est aidant. Moi, je suis jamais pour tu tasses l'élu dans le coin, en tout cas, ça donne rien. Mais dans le fond, l'idée, c'est quand tu donnes à l'élu des munitions, puis je pense que ce soir, il y a plusieurs éléments qui ont été mis de l'avant, qui peuvent faire partie, en tout cas, certainement d'une plateforme politique intéressante. Tout à fait, vraiment très, très intéressant. On avait une question justement de Sylvain pour Thomas. Est-ce que la nouvelle réglementation d'urbanisme a abordé la question de densité lors d'opérations de redéveloppement? La question de là? Je vais relire la question de Sylvain. Donc, est-ce que la nouvelle réglementation d'urbanisme, dont je pense que tu as mentionné tantôt, là, est-ce qu'ils vont aborder la question de densité lorsqu'il va y avoir des opérations de redéveloppement? Oui, c'est-à-dire que la densité, je présume qu'on parlerait de densité résidentielle là, ici, là, probablement, mais en fait, on peut référer à l'ensemble de ce qu'on appelle l'intensité d'occupation du sol, là, c'est-à-dire à quel point il y a une densité fonctionnelle, là, beaucoup de logements, mais peut-être beaucoup de commerces, beaucoup de peu importe. Oui, forcément, ça a été réfléchi. En fait, la nouvelle réglementation, pour faire une réponse courte, elle est basée sur ce que les Américains appellent du form-based code, c'est-à-dire une réglementation qui, au lieu de se baser d'abord et avant tout sur les usages ou les fonctions de la ville, comme le commerce, l'agrégation, le résidentiel, etc., est basée sur la forme urbaine ou la forme des bâtiments, ou la façon avec laquelle les rues sont encadrées par les bâtiments, etc. Donc, pour avoir des milieux de vie qui sont plus agréables, plus esthétiques. Et les densités les plus élevées sont forcément dans les endroits
les plus appropriés, là où il y a du potentiel de redéveloppement. Évidemment, il y a aussi d'autres facteurs là, qui sont pris en compte, comme par exemple la proximité au transport collectif, des choses-là. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la réflexion du schéma d'aménagement, où on avait déjà tiré à très grands traits ce concept-là, et on a raffiné dans les zones du nouveau règlement d'urbanisme les densités. Donc, il y a une modulation de ces densités-là. Merci beaucoup, Thomas. Prochaine question. En fait, je vais encore en adresser une à Thomas, un peu dans la même lignée, du moins, de Alexandre, justement, tantôt, qui souhaitait à Louise de rafter des demandes. Est-ce que le concept d'écoquartier ancré dans une charte des écoquartiers, est un concept qu'on pense appliquer dans les plans d'urbanisme? Dans les plans urbanistiques à Laval. Hey, j'ai eu de la misère, je m'excuse. Je la redis, OK? Non, je l'ai comprise. Je ne sais pas s'il fait référence à la charte des écoquartiers que Vivre en Ville a produit. Là. C'est-à-dire que les écoquartiers, c'est un concept qui est large. Il n'y a pas une définition unique dans le monde là, de ce que c'est un écoquartier. On comprend au nom là, de ce que ça peut vouloir dire à peu près, là, mais disons que ça reste quand même assez flou. On peut pas, dans la réglementation ou dans les documents de planification, on peut pas vraiment spécifiquement jouxter la définition d'écoquartier à quelque chose. Ce qu'on fait, c'est plutôt qu'on a un ensemble de normes qui vont venir davantage tenir compte des besoins écologiques et écosystémiques dans l'aménagement. Donc ça, oui. Dans les faits, ça revient un peu à des écoquartiers, par exemple, les trois programmes particuliers d'urbanisme. Je n'ai pas dit d'ailleurs pour le bénéfice des gens ce que c'est, mais c'est comme un plan d'urbanisme pour un secteur un peu plus précis là, du territoire. Forcément, ils ont cette réflexion-là déjà, donc ça s'apparente un petit peu en quelque sorte, surtout si on parle du côté de la gare Sainte-Rose, à des écoquartiers. Là. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas, pour ces spécifications. D'ailleurs, justement, vu qu'on parlait aussi de densité, j'avais une question pour Myriam. On a parlé tantôt des stationnements. Qu'est-ce qui pourrait être fait avec, puis même Myriam et probablement Philippe aussi, là, qu'est-ce qui pourrait être fait avec les stationnements? Je crois, on avait déjà discuté, toi et moi, puis tu mentionnais qu'il y avait des beaux projets, justement, en termes de stationnements plus éco-responsables ou du moins plus ancrés dans la biodiversité ou du moins, justement, il y avait des exemples intéressants qui se faisaient ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Puis nous permettre de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ici à Laval avec nos stationnements. Ben oui, tout à fait. On a effectivement un beau bassin de stationnement qu'on peut améliorer à Laval. C'est fantastique, il y a plein de choix. Déjà, ça se fait à Montréal. Donc, Montréal a son programme qui s'appelle Stationnement éco-responsable. Ils ont aussi l'attestation Stationnement éco-responsable qu'ils offrent, donc qui est basée sur une norme BNQ, en fait. Donc, qui s'adresse aux entreprises, donc à la ville, aux arrondissements, à Montréal, précisément. C'est pas offert aux citoyens. Remarquez, rien ne vous empêche de changer votre asphalte pour un pavé avec un peu de gazon dedans. Ce programme-là est spécifiquement pour pas les citoyens, privés, entreprises et la ville. Montréal, ça fait longtemps qu'ils veulent étendre cette attestation-là et ce programme-là à d'autres municipalités. Donc, je ne dis pas que ça se fait là, mais dans un avenir proche, il y a des bonnes chances que ça s'étende. C'est super parce que ça va venir revégétaliser des espaces de stationnement. On va aussi juste repenser, pas juste mettre du verre dans un stationnement, mais de repenser vraiment ce qu'on a besoin, c'est quoi les fonctions. On sait que les véhicules électriques arrivent, donc il y a les bornes qui sont à penser, il y a les vélos. Donc, il y a comme une espèce de revampe des stationnements qui est possible puis qui est super intéressante justement dans des endroits comme les Smart Center qui, ouais, peut-être ne sont pas utilisés le jour, sont utilisés le soir. Il y a plusieurs moments dans la journée où le stationnement n'est peut-être pas toujours utilisé. Donc, on peut repenser à ces usages-là puis maximiser, en fait, ce qu'on a comme espace au sol qui coûte cher, en fait. Là. Donc, il faut maximiser ça aussi au niveau économique.
Philippe, oui, vas-y. Peut-être un détail technique, parce que bon, d'expérience d'architecte paysagiste, mais souvent, on met beaucoup d'arbres dans des stationnements. Ça, c'est bien correct, mais souvent, la phase de plantation est tellement petite que les arbres ne se développent pas. Et donc, l'effet souhaité n'est pas là. Donc, ça, c'est comme quelque chose qui est de plus en plus discuté, là, les fosses souterraines ou juste élargir la fosse de plantation. Mais souvent, c'est des petits détails comme... Il y a plein de détails de design comme ça qui font en sorte que les plantations survivent ou pas. C'est quand on pense les eaux de chaleur, c'est des mers d'asphalte. Donc, en dessous, le sol, il n'y a pas beaucoup de terre. C'est du 0,3 quart à grandeur en dessous. Ça devient très, très, très chaud. Fait que souvent, les arbres, ils crament ou se développent très, très lentement. Il n'y a pas d'eau non plus qui s'infiltre à proximité. Donc, moi, j'ai l'impression que des stationnements écologiques doivent nécessairement être liés à des stratégies de gestion de l'eau, de captation d'eau pour maximiser l'humidité dans le sol, maximiser la grosseur des fosses de plantation ou du sol qui permet de justement que le but, c'est que les plantes poussent. Donc, ouais. J'imagine, là, je parle, je sais pas si tu le sais, Philippe, à quel point le CRU de Montréal travaille avec des experts en urbanisme pour les plantations. J'imagine, sûrement, j'espère, qu'ils ont cette expertise-là, en fait, à l'interne pour justement maximiser leurs efforts dans les stationnements éco-responsables. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait, tu sais, puis là, j'ai envie de me tourner vers Thomas, la question de faire du pouce sur ce sujet de conversation-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait espérer à Laval de voir même des réglementations pour encourager les stationnements qui sont plus environnementalement parlant à valeur ajoutée? Oui, absolument. Oui, les nouvelles normes de nouveaux règlements d'urbanisme vont considérer cette chose-là. Le problème est souvent plutôt dans une perspective de ce qu'on appelle les droits acquis. Là, je ne vais pas rentrer trop dans des trucs techniques, là, mais ça veut dire qu'une fois que le stationnement est déjà construit, le pouvoir que la ville a de forcer un propriétaire à le réaménager de telle sorte qu'il soit soit plus végétalisé, par exemple, c'est assez limité. Là. Généralement, pour d'assez bonnes raisons, là, parce que sans les droits acquis, là, sans ce régime-là, dont réglementaire, on se retrouverait à occasionner des coûts énormes pour ça ou pour toutes sortes d'autres raisons, là, des propriétaires qui n'auraient aucune façon de le prévoir. Là. Donc, c'est à la faveur du moment où le propriétaire va décider de redévelopper ou de le réaménager lui-même. Il souhaite refaire le pavage, par exemple. Et à ce moment-là, ben, là, on peut agir, faire implanter les nouvelles normes. Donc, la plupart des stationnements lavallois sont probablement déjà construits. Là. Ça m'étonnerait qu'on en ajoute énormément. C'est plutôt au fur et à mesure de la rénovation que ça va se produire, là, peu importe ce que les règlements vont dire. Thomas, moi, j'ai une question. Est-ce que, dans le fond, les réglementations, c'est comme, tu sais, il y a sticks and carrots. Les réglementations, ça vient, tu sais, ce serait quoi les incitatifs, mettons, efficaces qu'on connaît avec les villes? C'est quoi les outils que les villes ont pour... Et j'aime ça comme question. C'est assez limité quand même là, ce que la ville peut faire. C'est sûr que comme une ville peut envisager d'avoir des programmes comme on a des programmes sur toutes sortes de choses, là, d'aide au financement, par exemple, pour inciter à la redéploiement, disons, d'un stationnement mieux conçu. Là. Mais est-ce que c'est la... Bon, c'est compliqué à administrer, les critères aussi. Ça a l'air simple comme ça à dire, mais dans les faits, c'est assez complexe, ce genre de choses-là. Il faut aussi mesurer l'impact réel. Là. On dépense quand même l'argent des citoyens. Est-ce que c'est la meilleure façon d'arriver à nos fins que de faire ça? Est-ce qu'on accélère vraiment cette transition-là à ce moment-là ou elle va se faire un peu naturellement en payant moins cher ensuite? Donc, théoriquement, oui, c'est possible, mais de façon purement réglementaire, là, avec juste le bâton, c'est plus ou moins possible. Puis la carotte, ben, c'est ça fait partie de... Il faut toujours voir le coût-bénéfice, là, dans le fond. Et comme Dom Lebeau sur la zone de discussion le mentionne, il y aura toujours des gens pour demander plus de places de stationnement. Malheureusement. Je veux revenir aussi sur un sujet dont on a parlé tout à l'heure. Je crois que c'est Myriam, justement, qui mentionnait que, bon, Laval protège 17 % de son territoire actuellement. Et il y a un des citoyens dans la zone qui mentionnait, bon, que, bon, lui trouvait ça un peu surprenant d'entendre qu'on était à 17 % de notre territoire, alors qu'au centre-ville de Laval, on retrouve le plus de densité. Et
et que tous les milieux naturels, ils sont quasiment inexistants. Bon, le citoyen en question mentionne que le mémoire du creux de novembre dernier dénonce la destruction de 470 hectares alors qu'elle recommande leur protection. Qu'est-ce que le citoyen ordinaire peut faire dans ce cadre-là? Ça revient un peu à ce que je disais tantôt, d'appuyer les organismes qui vont faire ces mémoires-là, qui vont faire ces suivis de milieux-là. Oui, c'est vrai qu'il peut être surpris par le 17 %, mais il y a une différence entre la quantité et la qualité des environnements qu'on protège. C'est sûr que de protéger du gazon, ce n'est pas aussi efficace que de protéger des milieux humides, surtout les milieux humides qui sont le bassin de la biodiversité. Et dans le 17 %, il y a une priorisation de certains milieux qu'on veut que la ville protège. Donc oui, l'Ivel, c'est tellement grand qu'il y a des fois où on se demande où est la biodiversité au centre-ville, d'où tout le pourquoi de ce que Philippe fait, en fait, de repenser à nos espaces, puis d'arrêter justement de mettre du béton là où il pourrait avoir un bobby naturel. Donc, ta question, Marianne, c'est qu'est-ce que les gens peuvent faire? Bien, c'est ça, appuyer, en fait, ceux qui ont un petit peu de poids, continuer d'appuyer, en fait, ceux qui les développements de la ville, si la ville vous inclut, justement, dans repensermaval.ca, s'il y a des discussions, des tables de concertation, il y a plusieurs groupes de citoyens qui protègent des boisés, par exemple, si vous voulez vous joindre à ça pour avoir plus de poids dans ces groupes-là, c'est toujours apprécié, même si c'est un like sur Facebook, des fois, ou juste une participation à suivre un événement, tout compte. Effectivement. Puis tantôt, vous l'avez, plusieurs justement d'entre vous l'ont mentionné, Louise, toi-même aussi, Myriam, demander justement, oser demander, puis de des fois juste se pointer justement avec ce genre de questions-là lors des conseils municipaux ou d'adresser à nos élus, c'est vrai que ça peut faire toute une différence également. J'avais un petit commentaire, oui. Je voulais rajouter, si vous me permettez. Bien sûr. Peut-être la chose qui nous manque souvent autour de la table, quand on parle de ces choses-là, c'est l'économiste, c'est le fiscaliste municipal. Puis oui. Ça, parce que dans les milieux naturels, je sais qu'à Montréal, il y a eu des calculs qui ont été faits pour dire, pour pouvoir créer un fonds de négociation avec les développeurs immobiliers en disant, regarde, je vais te mettre ça si tu me fais du milieu naturel parce que ça crée une valeur fiscale pour la ville. Alors, ce que je trouve, c'est qu'on est dans... Puis je revenais par rapport à avoir des quartiers, tu sais, comme un éco-quartier, là, ça va amener des revenus fiscaux à la ville de façon importante. Mais qu'est-ce qu'on a besoin comme investissement de la ville pour la faire, ce éco-quartier-là? Puis comment ça peut juste être pris sur les futurs revenus de la ville, mais dédié à ça? Fait que ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce que je trouve... Puis Philippe, quand tu as dit... Je pense qu'on ne sait pas trop comment mesurer l'impact économique, par exemple. Je ne me rappelle pas tout à l'heure, tu mentionnais... C'est quoi, comment ça vaut les services écologiques, mettons, écosystémiques d'un environnement X ou Y? Puis c'est ça que je pense qu'il faut vraiment qu'on ait des économistes au service de ça. T'sais. Fait que si on pouvait ramasser des sous peut-être pour aller engager des économistes fiscalistes qui vont documenter la valeur en transition pour que dans les arguments, c'est pas un argument de c'est bien ou c'est mal d'avoir un stationnement écologique ou même de dire je vais donner la permission au propriétaire du stationnement de faire de l'habitation à condition qu'il fasse des stationnements. Je sais pas, j'ai aucune idée c'est quoi la bonne pratique, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que la ville a plein de ressources qu'elle n'utilise pas pour l'instant, qui sont pas juste de l'argent. C'est comme j'ai investi, je vais retourner ça plus tard dans 10 ans. En tout cas, fait que c'est un peu ça, je trouve que... Puis nous-mêmes, on a la même chose. Mais tu sais, comment on peut avoir des économistes au service de l'argumentaire? C'est vraiment tellement intéressant. Louise, on a le plaisir, toi et moi, de se connaître un peu, là, mais j'ai envie de te poser cette question-là. Selon toi, là, le potentiel de Laval... tant au niveau social qu'au niveau écologique, il se trouve où? Moi, ce que je dirais... C'est super large comme question. C'est une très grande question, mais si je peux être honnête, quand je suis arrivée à Laval il y a comme 5 ans, je ne connaissais pas bien Laval.
Aujourd'hui, je vous dirais que Laval, c'est énorme comme potentiel au niveau de l'économie sociale, par exemple, au niveau de l'habitation alternative, des cohabitants, le développement de par exemple, de villages, de quartiers intentionnels, toutes ces choses-là, il y a un potentiel énorme qu'il n'y a pas à Montréal. Alors, l'idée, c'est... Fait que moi, dans le fond, ce que je trouve... Puis, tu sais, quand on parlait des terres agricoles, tu sais, ils se forcent, je veux dire, à Montréal pour faire de l'agriculture urbaine dans un petit terrain de même. Quand il y a des terrains à Laval qui sont énormes, qu'on veut trouver des exploitants pour le faire, on est en périurbanité. C'est incroyable. Alors, pour moi, je vois le potentiel de Laval, puis je vois l'intérêt des Lavallois. En fait, l'intérêt des Lavallois, on le sent, il est en croissance. Maintenant, il faut juste s'outiller, puis tu sais, comme essayer. Puis je pense qu'on peut, en anglais, on appelle ça « frog leap », c'est-à-dire qu'on a pris du retard à cause d'une administration qu'on connaît, mais là, on peut faire un saut comme, je sais pas comment ça s'appelle, un saut de quelque chose, là. De géant. De géant, parce qu'on a des gens, les élus, comme les fonctionnaires à la ville, là, ils sont vraiment intéressés à innover. Alors, je pense qu'on est comme... En tout cas, puis je ne veux pas être jovialiste, là. Je suis vraiment sincère quand je dis ça. Moi, je pense que c'est vraiment un environnement hallucinant pour faire ce qu'on a le goût de faire, puis expérimenter, puis pousser nos élus à pouvoir aller dans l'expérimentation. J'ai une autre question pour vous. On sait que... Puis là, j'essaie de trouver où est-ce que je l'ai noté. Ah oui, ici. On parle souvent de l'importance, pour renverser la tendance au niveau des changements climatiques, de l'importance de réensauvager des territoires. Là, c'est sûr qu'à Laval, puis dans plein d'autres villes du Québec, parce que là, on a beaucoup parlé de Laval ce soir, là, mais il y a des gens de l'extérieur de Laval aussi qui nous écoutent. Comment on fait en milieu urbain, justement, pour aider à ça, donc aider ce réensauvagement là. Philippe, t'en as parlé un petit peu tantôt en parlant de ramener de la biodiversité davantage sur les territoires. Qu'est-ce qu'en tant qu'individu, en tant que collectivité même, on peut faire justement pour aider à réensauvager davantage justement notre Laval, nos villes de façon générale, nos milieux urbains? J'ai l'impression que le terme réensauvager a comme des connotations au niveau esthétique. Parce qu'on pourrait juste dire comment qu'on fait pour augmenter la capacité d'accueil de nos... Comment qu'on fait pour que nos aménagements de vie soient capables de supporter le plus de vie possible, indépendamment de qu'est-ce que ça a de l'air, mettons. Mais, tu sais, pratico-pratique, puis je le vois dans ma pratique aussi, un des gros enjeux, c'est d'imaginer c'est quoi que ça ressemble l'esthétique, la biodiversité. C'est un des freins majeurs, dans le fond, à l'appropriation de ces nouveaux types d'aménagements-là, c'est qu'on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Et que, comme de la méfiance, souvent les gens ils voient ça comme un risque. Fait qu'il y a comme un statu quo qui se perpétue. On fait ce qu'on connaît, tu sais, comme on disait. Donc, ça prend des gens qui sont progressifs, qui vont aménager. Tu sais, dans le fond, il y a mille façons de faire un jardin, puis je serais pas là pour dire qu'il y a une manière de la faire. Mais je pense que ça prend des gens qui vont se pitcher, puis qui vont le faire chez soi. Puis après, il y a toute une mécanique pour faire en sorte que ces initiatives-là soient pas tuées par des plaintes. Tu sais, puis qu'on puisse soit capable de bâtir là-dessus, puis que ça se répande un peu partout. Ça, il y a beaucoup de questions esthétiques. Comment, tu sais, ça ressemble à quoi l'esthétique de la biodiversité? Comment que ça s'intègre au milieu urbain? Je pense que, moi, je suis persuadé qu'on peut faire un jardin français qui supporte la biodiversité avec des aliments et tout ça. Mais, tu sais, c'est plein de tests, puis c'est super excitant parce qu'il y a tout est à faire, là, en fait, là, au niveau, tu sais, juste... Je suis un créatif, fait que, c'est vraiment inspirant toutes les manières que je m'imagine qu'on peut se faire des jardins. Là, puis tout, qu'est-ce, en fait, c'est ça. Peut-être de manière générale, il faudrait
dédier plus de place à la végétation, puis une végétation complexe. Je pense qu'il faut s'arrêter de dire on va verdir. Il y a comme le verdissement, c'est un spectre. Verdir peut dire mettre de la pelouse, ou verdir peut dire mettre tous les étages de végétation dans un gros bosquet, tout ça. T'sais. Fait que faut commencer à qualifier la nature, puis développer une sorte de langage pour se familiariser que c'est. Le type de végétation. Tu sais, un des problèmes, ça, c'est que les gens sont. En anglais, c'est plant blindness. Une plante, c'est une plante. Fait que, tu sais, y a pas de, les gens sont pas capables de reconnaître, mettons, ils voient un peu la structure, si c'est fleuri, si c'est beau, tout ça. Fait que, faut des gens qui se pitchent, puis il faut d'autres mondes qui les supportent. Puis je voyais Thomas sourire quand on a parlé des plaintes. Et donc, d'autres gens qui les supportent puis qui vont donc peut-être supporter aussi le fait que la pelouse du voisin va être particulièrement longue puis ou que justement qu'il va y avoir une biodiversité qui va faire en sorte que ça n'a peut-être pas nécessairement l'air structuré justement sur l'aventure de la maison du voisin puis que ça ne se retrouvera pas entre les mains de la ville avec des plaintes. C'est quand même un classique, ça, disons. Là. C'est pas une critique des Lavalois, c'est vrai dans toutes les villes. Il ne faut pas s'imaginer que c'est différent ailleurs, là, loin de là, incluant à Montréal. Arrêtez de croire que les gens sont. Non, c'est absolument pareil. Là. Mais il y a aussi une question culturelle, là, quand même, qui va probablement évoluer. J'ai eu la chance de voir un certain nombre d'éco-quartiers assez intéressants, notamment en Allemagne, où la vision est complètement. Les pays scandinaves aussi sont un peu dans cette même logique-là, où la vision est complètement différente. Et en fait, cette séparation dont Louise parlait, un peu artificielle entre la nature et nous, elle est un peu moins vécue. Mais en contrepartie, les inconvénients, c'est comme ça, de ce qu'est une vraie nature en ville sont tolérés et acceptés. Et je disais, ben oui, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait de l'herbe à puce, puis on va essayer de s'arranger pour l'enlever. Quoi. C'est la nature, elle est là, puis il va y avoir des insectes, puis il va y avoir ça fait partie de la vie. Alors, tout ne peut pas être nickel en plastique avec une petite haie. Donc, il y a quand même un phénomène aussi culturel, juste s'ouvrir, un peu comme Philippe dit, juste se accepter, dans le fond, de voir une différence, là, et puis. Et puis que l'herbe d'à côté soit pas. Puis après ça, il y a aussi une dimension réglementaire dans certaines villes là, où on. Oui, un travail. Si vous mettez du gazon puis mettez-le à cette hauteur-là, ben là, c'est sûr. Il y a la règle 150 mm qu'on discutait l'autre jour. Là. Elle est là encore au Québec, un peu partout. Une sorte d'héritage des années 50. Là. Souvent, les plaintes sont basées sur ce. Dans le fond, la ville, il faut qu'elle applique le règlement. Donc, ils n'ont pas le choix. Mais je pense que c'est dans la mesure où il faut s'ouvrir à ça, je pense qu'il faudrait multiplier le contexte où on peut avoir une expérience différente de jardin. Mettons, nous, nos voisins, on essaie vraiment de développer des projets de jardin démonstration avec des municipalités, faites sur des terrains municipaux, par exemple, pour inciter les gens à venir voir qu'est-ce que ça peut avoir de l'air, puis que ce projet-là rayonne. Il y aurait des concours qui pourraient être faits chez les gens. Il y aurait peut-être des tests, peut-être de déréglementation, mais pas longtemps en mode test. Mettons, pendant 6 mois, on déréglemente, puis on y a une campagne, par exemple, pour dire, essayez de... Ceux qui veulent aménager pour la biodiversité, là, allez-y, on va voir qu'est-ce que ça donne, puis les bons coups de ça, on va les garder, puis on va être capable de former des guides. C'est tellement... c'est ça. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais il faut... Ouais, il y a bien des choses à faire. Faut se donner le temps justement de les faire. Ouais, c'est ça. Ça va être. C'était la question qui venait clôturer de mon côté la partie citoyenne. Je vais laisser à Christina peut-être sa question de clôture. Puis je vous remercie tout le monde. Merci Marianne. Oui, j'avais peut-être juste une question que j'aimerais poser à tout le monde avant qu'on termine. C'est vraiment une question qui m'est venue. Au cours de la présentation, je sais pas s'il y en a qui suivent l'actualité juridique, mais très récemment, je pense cette semaine, il y a une rivière de la Côte-Nord, je pense la rivière Magpie, à qui on a accordé le statut de personnalité juridique. Donc, ça signifie qu'elle a des droits. Puis je pense que c'est la communauté Innu qui va être représentante de cette rivière devant la cour. Puis je voulais savoir si c'était
quelque chose qu'on pourrait voir à Laval, de voir des aspects du territoire Laval, ou même juste comme dans des villes québécoises, comme urbaines, de voir cette solution proposée? Je pense que ça va se faire, mais pas sans une grosse bataille, parce qu'il y a tellement des... Bon, tu vois, dans ce contexte-là, c'est porté par une communauté. C'est surtout ça. Je pense que ça se verrait si la communauté... par exemple, à Montréal, le fleuve pourrait être une entité. On voit souvent ça avec les rivières, un peu partout dans le monde. Pour des boisés, c'est plus compliqué. Je ne suis vraiment pas expert, mais ouais, ça m'a... En tout cas, c'est une long shot, mais ouais, je pense que c'est possible. Okay. Je trouve que ça donne tellement d'espoir, ces mouvements-là qui sont souvent dans le droit autochtone, en fait, d'aller jusqu'à donner, comme de traiter la terre comme étant un être avec des droits. C'est-à-dire que c'est comme si la rivière elle peut poursuivre les gens, l'État, pour une mauvaise... gestion, whatever. Alors, moi, je trouve ça, c'est vraiment, vraiment génial. Je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, la base de ce que j'avance quand on travaille sur vivacité, c'est que, dans le fond, il y a la notion des communs. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison que la terre, l'air, l'eau soient un bien sur lequel je peux faire... C'est-à-dire, je peux construire une maison, faire de l'argent avec ma maison que j'ai construite dessus, mais dans le fond, dans un quartier, quand je construis ma maison sur une terre, puis que le quartier se développe, puis que le monde y plante des choses dans leur jardin, que la communauté se développe, que la ville investit, qu'il y a de la sécurité, ma propriété prend de valeur. Mais c'est pas ma maison qui prend de la valeur, c'est la terre. Alors pourquoi c'est moi qui collecte, qui ramasse ce bien-là, cette plus-value-là? Ça, c'est très philosophique. Mais ce que je veux dire, c'est quand on l'applique à la terre, à l'air, à l'eau, actuellement, l'eau, on est après laisser les gens, tu sais, comme faire de l'argent avec l'eau qui devrait être un bien commun. Ça n'a pas de sens, là, en tout cas, mais ça va nulle part, là, mais il est rendu 9h, là, moi, je suis rendu dans mon verre de vin, je change le monde, c'est comme, excusez-moi. Oh, c'est très correct. Moi, je ne pense pas que c'est philosophique du tout, je pense que c'est très concret, votre réponse, Louise. En fait, c'est une réponse juridique, puis là, je ne suis pas avocat, on n'en a pas ici, là, quelle dimension ça apporte, puis qu'est-ce que ça va faire. Mais c'est une réponse juridique à un problème où on a justement, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on a segmenté le sol et essentiellement la propriété commune, de telle sorte que là, on est pris pour trouver des solutions comme ça qui sont effectivement très élégantes, mais ça montre aussi l'envers de la médaille, c'est que ça montre le problème, ça montre pourquoi est-ce que... Bon. Mais non, cet élément-là, dans le fond, je pense que ce qui est important d'accepter qu'il pourrait évoluer, c'est notre compréhension de ce qu'est le collectif et le privé. Et on est dans une société nord-américaine qui est très, très... Puis c'est correct, ça a des avantages et des inconvénients, mais on est quand même assez individualiste généralement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des communautés proches, ça ne veut pas dire qu'on ne s'entraide pas, c'est pas ça que je dis. Mais on a quand même une conception, disons, de la propriété de façon générale, pas seulement foncière, qui est beaucoup plus individuelle que collective. C'est pas toutes les cultures qui sont comme ça. Du tout. Ce n'est pas un a priori là, de la planète Terre. Là. Et donc, je pense qu'il y a quand même lieu de se poser les questions. Puis ça vient dans tous les petits gestes, par exemple, quand on consomme, quand on est dans un espace public, ben, on l'entretient ou on le laisse propre. Ça peut prendre des dimensions aussi microscopiques que ça parce que c'est chez nous. La protection du bois Manfrappier à Laval l'entretien ou le maintien en bon état d'un parc, mais c'est parce que c'est chez vous tout autant que dans votre cuisine. Et ça, il faut que tranquillement, ça devienne de plus en plus commun. Je pense. Puis après ça, ça s'étend à d'autres choses qui ont l'air moins élégantes. La rue, elle est aussi à vous. Elle n'est pas à qui que ce soit d'autre. Là. C'est une propriété publique, c'est un espace public, etc. etc. Très
D'accord avec ce que tout le monde a dit. En fait, puis c'est vrai que c'est le fun de voir le changement de mentalité. Des exemples comme ça, ça nous prouve que on peut donner de l'importance à ce point-là. Donc, juridique est quelque chose que souvent on prend pour acquis, en fait, là, ou qu'on a longtemps pris pour acquis. Ce changement de mentalité-là, il vient avec la culture, il vient avec l'éducation. Là, c'est génial que ce soit un peuple qui soit qui représente la rivière. Puis on voit justement, c'est beau leur culture et c'est parce que c'est leur culture qui la protège, la rivière. Puis je pense que ça va changer aussi avec les jeunes. Tout ce qui est éducation, tout ce qui la nouvelle génération en ce moment, qui est beaucoup plus sensibilisée à l'environnement, qui va, je pense, on va voir arriver un retour aussi à la nature. Les jeunes qui vont rejouer dehors, qui vont laisser un peu plus la technologie derrière pour reconnecter avec la nature. On voit beaucoup de forest schools, les écoles de la forêt arriver où les enfants sont dehors. Ils apprennent par le dehors, puis ils reconnaissent la nature. Et ça, si un enfant est élevé là-dedans toute sa vie en grandissant, ça fait juste du sens, en fait, que la rivière soit protégée. Donc, on a un changement de paradigme, un changement de définition envers la nature. C'est plus juste nous versus la nature. Et nous, et ça, c'est une ressource, c'est juste on est ensemble. Puis ça, c'est super inspirant de voir que ça se fait en ce moment et que ça va se faire de plus en plus pour être avec des jeunes plusieurs fois par semaine. C'est pas eux qu'il faut convaincre, c'est plutôt les adultes qui sont un peu en retard sur cette... c'est les parents et les adultes qui sont en retard sur cette mentalité-là que la nature est à protéger et non à exploiter. Puis ça, c'est... Comme on dit, c'est super beau de voir que ça change tranquillement. Puis j'ai très, très hâte de voir la nouvelle génération... de voir qu'est-ce qu'on va faire avec l'environnement. Merci pour cette belle réponse. Puis je pense que sur ce, ça va clôturer notre activité. Donc, je tiens à tous vous remercier, chers panélistes. Donc, merci à Louise Audard, présidente pour Vivacité, Philippe Asselin de Nouveaux Voisins, Thomas Gérardin, qui est urbaniste à la Ville de Laval, et Myriam Goulet du Conseil régional de l'environnement de Laval, donc le CREP. Merci également à vous, chers citoyens, qui avez pris part, que ce soit par votre écoute attentive, vos questions, vos commentaires et vos réflexions. Et j'aimerais également dire un gros merci à Marianne Perrault pour tout avoir géré l'aspect technique et à Gildo qui est en arrière de la scène, mais qui est également extrêmement important pour qu'on ait cette plateforme numérique en premier lieu. Donc, l'Aval en transition, ça ne pourrait pas aller de l'avant dans ces nombreux projets sans l'engagement des citoyens et des citoyennes, de qui d'ailleurs proviennent plusieurs initiatives comme ce forum. Que ce soit en temps, en partage d'expertise ou monétairement, chaque contribution est vitale pour le développement de notre mouvement. Donc, pour rejoindre la communauté de Lavalois en transition, pour vous impliquer ou pour vous contribuer, je vais vous inviter à visiter le site web lavalentransition.org ou à aller sur notre groupe Facebook Lavalois en transition. Tous les liens sont collés dans la zone de conversation et vous serez également envoyé avec le et vous seront également envoyés avec le sondage pour connaître vos impressions sur l'activité. Donc, sinon, on vous donne rendez-vous lors de notre activité participative Remue-Ménage sur le thème de la mobilité et de notre rapport à la Terre demain, le 9 mars à 18h. C'est gratuit. Également, on vous donne rendez-vous le 10 mars à 19h pour notre activité qui s'intéressera à ces citoyens qui ont décidé de démarrer des entreprises socialement et environnementalement responsables. Et finalement, le 12 mars, 19h toujours, on a notre activité de clôture pour effet transition, soit un panel sur les municipalités de l'avenir, alors que nous entrons dans une année électorale sur la scène municipale et où l'apport des villes pour la transition, nous l'avons vu ce soir, peut avoir un apport indéniable. Donc, pour tout renseignement sur ces activités, consultez le site web effettransition.ca. D'ailleurs, je pense que Marianne doit avoir ajouté le lien dans le chat à l'instant. Donc, merci beaucoup, Marianne. Merci à nos chers panélistes et au plaisir de vous compter parmi nous lors de nos prochaines activités. Merci beaucoup. Merci, Christina, pour l'animation et la préparation de ce panel. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.